ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا اللايف الجديد لصفحة دستورنا في حصة سلسلة من المحاضرات حول المغرب. المغرب الكبير بها شهور. اليوم عندنا حصة حضور ضيوف معنا من المغرب من الجزائر لتطرق لإشكالية العلاقات بين الدولتين المغربية والجزائرية في بناء المغرب الكبير. مرحبا بكم مرة جديدة في صفحة دستورنا. On a une petite coupure, donc on a dû relancer le live. Donc كما قلنا tout à l'heure, هذه حصة في سلسلة محاضرات حول بناء المغرب الكبير, la construction du Grand Maghreb, qui est une vieille histoire entre tous les pays du Maghreb, hein, qui a commencé ne serait-ce qu'au début du siècle avec plusieurs personnages. Aujourd'hui, nous allons donc had l'hissat kon mot dédié à la relation et je dirais la relation parfois conflictuelle entre nos deux pays, nos deux États, Maroc et Algérie, pour pouvoir voir de quelle manière faire le Maghreb dans des conditions difficiles, mais comment avancer dans cette cause commune que portent tous les peuples de la région. Donc, معنا اليوم الأستاذ فؤاد عبد المومني, militant des droits de l'homme, président de Ligue des droits de l'homme, Amnesty International de Maroc. مرحبا بك سي فؤاد. أهلا وسهلا. À quelque chose malheur et bon, on a pu maintenant t'entendre parfaitement. Et donc, je suis pas Amnesty, je suis Transparency Maroc, ancien secrétaire général, et aussi Association marocaine des droits humains et Human Rights Watch. Ahlan wasahlan. Merci beaucoup, Fouad. Merci beaucoup de ta présence. Rahmana, si Toufiq Allel, président associatif, militant de très longue date, membre actif du Hirak, président d'Agda. Bienvenue, si Toufiq. Merci de votre initiative. Très intéressant de débattre avec des amis et des camarades que je connais de longue date, mais on a toujours des choses à se dire, notamment sur la question du Maghreb. Merci Toufiq. Rahmana l'Oustad Boualem Azehom, donc militant associatif de très longue date, très convaincu et très acteur de la cause maghrébine, maghrébin convaincu lui-même. Bienvenue si Boualem. Boualem, tu as ton micro peut-être? Oui, bonsoir. Merci de l'invitation, merci pour l'initiative. Je suis content aussi de discuter, de débattre sur ce sujet, le Maghreb, avec des amis et des camarades, et surtout avec deux de mes amis. Et je le dis rarement, mais c'est parmi mes maîtres, mais ceux à qui on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais ils m'ont précédé, avec qui j'ai beaucoup appris, avec qui j'ai débattu. C'était aussi une occasion de discuter avec eux, débattre avec eux et d'apprendre d'eux, parce que c'est des grands sages et des grands militants. Merci Boualem de ta présence on aura une, je pense, une très très belle conférence avec nous. Raouf Farah, membre d'Eptikar, membre de l'initiative du 22, acteur du Hirak. Bienvenue Raouf. Je ne sais pas si j'ai oublié. Je vous avais un long parcours aussi dans le cadre des relations internationales. Peut-être que vous pourriez en parler un peu plus. Bienvenue. Bonsoir à tous, très content d'être parmi vous lio. Had niqashat حول le Maghreb تاعنا الكبير, c'est quelque chose qui est fondamental.
et qui est ancrée dans l'histoire commune de nos peuples depuis des millénaires. Donc, أنا متشرف اللي راني متواجد اليوم معاكم ومع الأصدقاء وإن شاء الله نخرجوا بنتيجة مليحة. Inch'Allah, merci, merci Fouad d'être avec nous. Voilà, on a fait une série d'émissions. La dernière, c'était sur le coût économique du Maghreb, hein, dans le cadre de Safhatina de Storouna. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble, on va tenter de comprendre la difficulté de cette construction voilà, à l'ombre, quelque part, des conflits entre des États. Alors, les États qui sont nouveaux, hein, sont récents pour certains, puisqu'ils sont issus quelque part d'un long processus de création de nations, qui sont les États algériens et marocains. Alors, il y avait bien évidemment des relations très fortes entre les peuples pendant, comme disait Raouf, des millénaires, mais et puis il y a eu différentes étapes historiques, hein, comme le souligne Raouf, avec des coopérations, parfois des conflits, des petits, voilà, des problèmes classiques, hein, qu'ont connus toutes les régions du monde sur des territoires, sur d'autres questions de géopolitique. Et nous avons eu surtout une guerre d'indépendance et un mouvement national qui s'est construit paradoxalement, donc un nationalisme qui s'est construit sur l'idée du Grand Maghreb. Les nationalismes souvent se construisent sur un idéal très très national. Nous avons une très forte particularité في تاريخنا هو أن القومية أو لو ناسيوناليزم بصفة عامة تم بناؤه مع هذه الفكرة فكرة بناء المغرب الكبير. Donc, ça a été le projet notamment de Abdelkrim Khattabi, ça a été le projet de notamment, bien sûr, Msali El-Hage. Tous les grands leaders politiques du Maroc et d'Algérie ont porté ce projet au moment des indépendances, que ce soit à l'Istiqlal, à l'USF, enfin, à l'époque Ben Barka, que ce soit en Algérie avant le déclenchement de la révolution, par les différents mouvements et puis ensuite pendant la révolution. Donc nous allons essayer de comprendre à quel moment dans la constitution de nos États respectifs il y a eu quelques ratés qui ont fait qu'aujourd'hui il y a des malentendus entre des États qui empêchent la concrétisation du rêve de nos pères et mères qui ont fait l'indépendance de nos pays, mais surtout des peuples de la région. Je pense que c'est une lapalissade de dire que il est de l'intérêt de nous tous que les peuples se construisent la main dans la main, que l'avenir de nos peuples se construise la main dans la main, et qu'on ne comprend pas comment cette ambition collective des deux peuples qui sont, certes, chaque peuple a ses particularités, mais qui sont fondamentalement proches de par l'histoire et la langue, ne puissent pas aujourd'hui se concrétiser d'une manière beaucoup plus forte politiquement et dans d'autres domaines de la vie publique. Donc, je vais me permettre peut-être avant de démarrer notre débat, de vous passer un extrait, puisque j'ai regardé une vidéo dernièrement que j'ai trouvée fondamentalement pertinente. C'était une interview qu'a réalisée Aït Hamed à l'Institut du monde arabe sur ce rêve maghrébin et sur ce qu'a été une période très particulière de l'histoire de l'indépendance de nos pays, qui est, je dirais, une entraide pendant cette guerre d'indépendance dans les pays respectifs. Alors justement, vous étiez dans cet avion, vous faisiez partie des cinq dirigeants du FLN détournés vers Alger ce 22 octobre 1956. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le contexte? Pourquoi est-ce que vous vous rendiez de Rabat à Tunis ce jour-là? Eh bien, le but, c'était un but politique. L'idée, c'est d'aller à une conférence
conférence maghrébine avec les Marocains et les Tunisiens qui permettent de modifier l'équation politique. Fini le tête-à-tête Algérie-France. Il fallait absolument que le problème devienne d'abord essentiellement un problème maghrébin, ce qui nous permet d'avoir un rapport de force. Et vous auriez accepté que je laisse, moi, passer cet avion alors que les militaires en réclamaient l'arraisonnement? Je dis que n'importe quel ministre n'aurait pas pu donner un autre ordre que celui que j'ai donné. Il ne pouvait que couvrir les militaires. Eh bien, la stratégie fondamentale de l'armée qu'exprime Max Lejeune et même l'autre personne qui était écrivain, c'est qu'il fallait à tout prix empêcher la conférence de se tenir parce qu'il pourrait y avoir des conséquences irréversibles en faveur d'une autre solution que celle de la guerre totale. Non, ce que je peux dire, c'est que les paroles de ces messieurs dénoncent d'une manière catégorique l'accusation de... comment s'appelle ce journaliste-là, ce journaliste égyptien, de Haïkal. Oui. Puisqu'ils considèrent qu'ils sont dans une guerre totale et que dans cette dynamique, ils ne pouvaient que arrêter et priver la révolution algérienne de ses dirigeants. Alors, quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie ? Ben, ça a été une nouvelle bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohamed V que du prince héritier qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohamed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses hôtes, des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohamed V avait proposé de vous échanger, vous cinq, contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion, et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors, voilà. Sur l'impact international, on va regarder justement ce que dit Christian Pinault, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cette opération? Il y avait d'abord un acte qu'aucun chef d'État français ne pouvait accepter à l'égard du sultan du Maroc. Vous étiez, enfin, les hôtes du sultan du Maroc. Il vous avait prêté un avion pour vous transporter dans un endroit déterminé. Nous ne pouvions pas, sans son consentement, à moins que vous ne violiez des lois internationales ou que vous ne couriez le risque de passer à proximité des côtes algériennes, nous ne pouvions rien faire sans son consentement. Et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. La Tunisie non plus. Bon, nous avons donc perdu de ce côté-là un certain nombre d'espoirs et nous avons mécontenté l'opinion internationale. J'ai eu des conversations nombreuses avec les Américains qui étaient absolument hors d'eux lorsque cet événement s'est passé et je dis qu'il a fortement contribué à l'attitude des Américains lors de l'affaire de Suez. Dans ce fameux DC-3 détourné, vous avez longuement parlé avec une journaliste, Ève Paré-Deschamps. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Je me suis confié en disant, maintenant, l'affaire de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est plus le monopole des Algériens, c'est le Maghreb. C'est une nouvelle stratégie. Pas une stratégie qui va faire basculer le Maghreb dans la guerre, mais on était persuadé que le rapport de force changerait. Vous voyez, le général de Gaulle sait très bien pourquoi il en est venu à mettre fin à la guerre. C'est parce que du point de vue international, du point de vue militaire, les choses risquaient d'y aller. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Vous lui avez aussi transmis quelque chose au moment où vous avez été arrêté, je crois, cette journaliste. Oui, vous avez raison. C'est
Je me suis fié à elle, oui. Je lui ai donné le document de la de résolution de la Soumane. Et puis, il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc. Et c'est le prince héritier, Moulay Hassan, auquel je me suis adressé, qui m'a dit « je vous donne la licence ». Vous autorise à faire ça. Alors, vous avez aussi beaucoup parlé à cette journaliste de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie. On va écouter pendant un court instant Eve Paré-Léchamp. Il y avait une atmosphère extraordinaire d'espoir. Vraiment, ce voyage à Tunis, cette conférence, pour nous tous, ouvrait la porte aux négociations. C'est ce qu'a dit M. Ah oui, là, absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et... Monsieur Aït Ahmed se souvient de l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, nous attendions beaucoup, et en France aussi, on attendait beaucoup, je sais, de cette conférence. Le Maroc avait besoin de cette conférence, avait besoin de la paix. La Tunisie avait besoin de la paix. Ils étaient prêts à tout faire, ils l'avaient montré. Les Algériens étaient prêts à négocier. C'est Monsieur Aït Ahmed. Les conversations que nous avons eues à Rabat avec le roi Mohamed V ont été très utiles. Nous avons des bases sérieuses pour une solution d'ensemble qui pourra être proposée à un gouvernement vraiment désireux de négocier. Il n'y a pas une solution marocaine, une solution tunisienne, une solution algérienne. Il y a une solution nord-africaine parce qu'il y a un problème nord-africain. Nous ferons une fédération des trois pays d'Afrique du Nord. Oui, nous voudrions faire une fédération des trois pays d'Afrique du Nord et après conclure avec la France une alliance étroite. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie, à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Et ce qui est important, c'est de remettre au peuple et aux individus le destin du Maghreb. Voilà des propos de Aït Ahmed, Feu Aït Ahmed, d'une très grande profondeur, qui, en quelques phrases, hein, en cinq minutes, décrit des pans de l'histoire, décrit des choses qui sont fondamentales dans l'histoire de nos pays, et décrit les crispations qu'il y a eu sur des phases phares de notre histoire, et réaffirme la nécessité d'une union d'Afrique du Nord, du Grand Maghreb, pour nos peuples. Sifoued, première réaction à cet espoir-là, à ces déclarations-là, à la perception qu'ont eu les Marocains vis-à-vis de ce premier acte, je dirais, de piraterie, qui n'a pas été seulement vis-à-vis des dirigeants du FLN, mais un acte de piraterie d'un avion sous protection du Royaume du Maroc. Et je rappelle que des manifestations très importantes, très violentes, et des dizaines de morts sont les conséquences de la protestation des Marocains vis-à-vis de ce qui s'était passé, de l'agression française vis-à-vis de ce rêve maghrébin. S'il faut être. Merci beaucoup. Ben, ce qui me semble le plus important dans le document que tu nous as exposé, c'est l'attitude de Hussein Aït Ahmed et le potentiel d'attitude qu'on peut avoir à l'égard des faits historiques. Hussein Aït Ahmed réagit ici à l'accusation qui était essentiellement prêtée à Hassan Inheikel, l'intellectuel égyptien qui a dirigé pendant extrêmement longtemps la plus grande institution de médiatique de la région, qui est l'Ahram, et qui avait accusé expressément la monarchie marocaine d'avoir comploté avec la France pour l'enlèvement des dirigeants historiques du FLN. À la limite, nous allons retrouver ce genre d'accusation, de risque, voire de fait réel et avéré, dans l'histoire de tous les pays du monde. Et l'essentiel, ce n'est pas que des prétentions de ce genre
puissent être exposés, c'est l'attitude que nous allons avoir à leur égard. Est-ce que nous allons rapporter les faits historiques et les respecter? Est-ce que nous allons les relativiser et les mettre dans leur contexte? Est-ce que nous allons accepter que même s'il y a eu des erreurs, des errements, des comportements intolérables de la part de dirigeants historiques, ça doit nous pousser à aller de l'avant? Est-ce que nous allons avoir l'attitude d'accepter qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre et que nous allons être capables de les surpasser? Ou bien nous allons être dans la logique des querelles de voisinage où une famille prétend que c'est le fils de la famille A qui a frappé en premier le fils de la famille B et que donc la famille B doit prendre sa revanche et ainsi de suite. Et je crois que moi ce que j'apprécie le plus, ce n'est à la limite, je considérerais les faits historiques comme secondaires par rapport à l'attitude volontariste de Hussein Aït Ahmed de dire, un, je dément les faits qui ne sont pas avérés, et deux, je continue de revendiquer ma vision, ma perspective, mon projet historique que je pourrais à la limite vouloir imposer même à ceux chez moi et chez les voisins qui cherchent excuses pour entraver le projet. Merci Sifoued. Si Tofir, je pense que ça peut aussi, enfin la déclaration de, si on une deuxième lecture, enfin je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles et au vu de la profondeur de cette déclaration-là et des faits qui sont rapportés, de l'analyse qu'on fait si Aït Ahmed, il montre Aït Ahmed l'enjeu géopolitique de la fraternité entre les pays du Maghreb et comment justement cette agression par l'ancienne puissance coloniale, à l'époque encore puissance coloniale, de ce rêve maghrébin avait internationalisé quelque part la cause des Algériens, mais la cause du Maghreb de manière générale. Il y a donc dans l'expression de Fayt Ahmed, une très forte, il était responsable aussi des affaires étrangères hein, dans le cadre du FLN, de la délégation étrangère. Ça montre l'enjeu géopolitique de cette région qui, à l'époque, était important et qui, je pense, est encore tout à fait prédominant aujourd'hui. Le recommencement, si tout fait. Micro. Le micro. Libère ton micro, cher Tofer. Anam. Je me permets, vu mon âge canonique, de faire part d'un souvenir personnel de l'événement tel que je l'ai vécu enfant, qui avait 10 ans à l'époque. Je suis, comme peut-être certain nombre d'entre nous, des amis qui sont là, je suis natif d'Oujda, algérienne, vieille famille de Tlemcen, installée sur 4 ou 5 générations à Oujda, mais on est resté algérien. Et moi, j'ai souvenir, quand on a appris l'événement à Oujda, la sortie en masse, toute famille confondue. On ne pouvait pas de toute façon distinguer à Oujda. À l'époque, tu ne pouvais pas distinguer famille algérienne ou famille marocaine. C'était la riposte et la protestation. Je crois, dans mon souvenir, c'était même avant la proposition du roi Mohamed El-Khamis de cette façon symbolique de proposer son fils à la place de ceux qui ont été enlevés, hein, c'est le terme. Et c'était là, cette force-là et l'intensité de la manifestation, dans mon souvenir, elle était l'équivalent du jour de l'indépendance du Maroc. La sortie massive, moins de temps, parce qu'il y a eu, pendant l'indépendance, les fêtes de l'indépendance, étalées sur plusieurs jours. Mais l'intensité,
toute la ville était mobilisée sur cette heure. Et moi, dans mon souvenir, comme ça, je me suis dit, rien ne pouvait nous arriver, nous, Algériens, avec cet élan-là. Et je crois que les dirigeants politiques de l'époque, comme Mohamed El-Khamis ou Aït Ahmed, il y a plein d'autres, hein, qui avaient cette formation, cette espèce de... Peut-être pas, ils n'avaient pas une vision précise concernant la construction du Maghreb, mais cette espèce fondamentale, quelle que soit la situation, la solidarité intermaghrébine, et notamment dans les luttes pour les indépendances et contre le colonialisme français. Je remets ça, c'est extrêmement important. Cette mobilisation, pour moi, en tous les cas, elle a été fondatrice, elle a été inaugurale. En fait, ça ne répercutait que ce qui se vivait chez nombre de familles d'Oujda, pardonnez-moi de localiser ça, mais il pouvait y avoir aussi bien en Algérie qu'au Maroc, d'autres endroits, mais c'était des milieux où on était nationaliste trois fois plutôt qu'une. Il faut bien comprendre ce contexte-là qui était pour moi, voilà, personnellement, donc je fais une note subjective, c'est à partir de là que moi j'ai compris. Je ne connaissais pas ce document d'Aït Ahmed, je ne le connaissais pas, ça ne m'étonne pas du personnage. Il y a eu ces personnages comme lui, comme d'autres, on les connaît, qui avaient cette trajectoire, ou qui dans leur parti, par exemple, je suis en train de lire l'histoire de l'Udma, Falahat Abbès et tout, pourtant, il n'y avait pas de congrès où des délégations marocaines, tunisiennes venaient pour participer, pour assister. Donc il y a cette ambiance-là, et à mon avis, cette prise de position de Aït Ahmed, partagée par un nombre de personnes, était d'abord cette réaction, moi je les associe à ça. Juste un contexte, c'est très intéressant, petite remarque, c'est marrant comment Aït Ahmed parle de l'armée. J'attends de dire l'armée française, non, il dit l'armée qui manipule un parti, qui organise, qui plus tard, quelques jours ou quelques temps plus tard, il ne faut pas oublier ce contexte-là, de l'attaque sur Suez, l'attaque anglo-franco-israélienne. Hein. C'est dans la suite de ça. Et nous, on a été frappés à l'époque par ces deux événements-là qui étaient... Bon, en tous les cas pour la région où j'étais, était fondatrice de cette conviction maghrébine. Voilà. Merci Taoufir. Dans le document complet, Aït Ahmed met en exergue, et notamment le document, hein, met en exergue la réaction du gouvernement français qui, pour une partie, était surprise par la décision de l'armée, qui a donné une autorisation à travers le secrétaire d'État alors c'était pas la défense, à la guerre, je pense, et qui n'avait pas informé, d'après le document, les instances politiques françaises. Voilà, d'où je pense la référence notamment de Aït Ahmed, et voilà, qui est assez significatif aussi, peut-être, de la répétition de l'histoire vis-à-vis de la militarisation. Exactement. Voilà. J'ai bien compris la parabole. Voilà. Très bien. Sibolem, nous sommes, nous, d'une autre génération. Nous n'avons pas peut-être vécu ces événements-là. Vous n'étiez pas incarné. Est-ce que cette ferveur qui existait pendant la guerre et puis avant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes nés après les indépendances et on a vécu un autre contexte, autre chose, une autre relation entre les deux États, nous connaissant la chaleur entre les peuples algériens et marocains, les peuples maghrébins en général. À votre avis, Sibolem, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Moi, ce qu'ont dit mes amis, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis complètement d'accord. Beaucoup de respect pour Aït Ahmed, d'ailleurs, c'est plus tard même, c'est avec ses militants de son parti que j'ai le plus été en affinité, que j'ai le plus milité en tout cas, ce qu'ils avaient en Europe, les sections quelques représentants. Par rapport à tout faire l'a dit, on est trois à être issu d'une région pour X raisons géographiques, historiques. Il y a une relation à l'Algérie qui était plus que particulière.
mes amis sont du côté d'Oujda, où moi j'ai fait mon lycée, c'est ma ville préférée au Maroc d'ailleurs, et moi je suis des Rifs, et pour nous, on a été, plus tard, on a été bénis aussi par des récits, par les échanges, par le, moi, dans ma famille, jusqu'à aujourd'hui, moi-même d'ailleurs, on est éternellement liés à ce Maghreb, par des liens du sang, des liens de géographie, des liens d'amitié, etc. Donc, ce qu'a dit aussi Fouad, c'est très important. C'est vrai que la vérité historique, il s'impose. Il y a des témoins, il y a des faits, des documents, des témoins qui sont encore vivants, des gens qui l'ont vécu. Donc ça, au-delà de ce que je peux penser moi plus tard, je regrette d'ailleurs que l'armée française et la France n'ont pas échangé la CN2 contre ces gens-là. Ça nous aurait parlé beaucoup de choses, mais dommage. Donc, mais ça, c'est trêve de plaisanterie. Bien sûr qu'il y a des choses qui remontent, qui ont remonté jusqu'à aujourd'hui. On peut pas, quand on vient de cette région-là, c'est chaque beaucoup de lieux. Je parle des centres-villes, beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits, ils sont marqués par cette histoire, l'histoire familiale, par des présences. Donc, on a été quand même baigné par ça. Souvent, moi, je dis, on est les. Quand on parle avec nos confrères, avec nos compatriotes marocains, et souvent que je parle avec des gens de Tlemcen, je dis, vous êtes les Marocains égarés en Algérie, nous sommes les Algériens égarés au Maroc. Donc, vu les liens qu'on a, donc nous, on était nés pour être dans son contexte maghrébin, dans son contexte de frontalier, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est autre chose quand même. Là, on est en octobre 56, il y a 6 mois après l'indépendance du Maroc, un peu moins de l'indépendance de la Tunisie. Et hélas, ça aussi, c'est des vérités historiques. Il y a ces indépendances qui étaient asynchronisées, au fait. La Tunisie, le Maroc, ils ont fait quand même des choix de l'époque. On peut les juger avec aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont négocié à part. Là où il y avait des négociations qui devaient se faire ensemble, ça aurait évité une guerre, ça aurait évité beaucoup de choses. Donc, il y a une indépendance du Maroc avec précipité de mon point de vue, qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a déterminé des frontières, ça a déterminé des contours d'un État en devenir. Et c'est pareil aussi de l'autre côté de la Tunisie. Après, cet événement, bien sûr, il est très marquant. Nous n'oublions pas quand même, on est en pleine guerre d'Algérie, qui était quand même une des guerres les plus meurtrières de son époque, et même jusqu'à aujourd'hui. On a quand même beaucoup de martyrs, beaucoup. Et il y a encore, il faut aussi le dire, il y a encore, même des côtés de Tunisie, des côtés du Maroc, il y a encore des maquis. Il y a quand même des personnes qui estimaient que l'indépendance du Maroc ne sera pas complète, je parle du côté du Maroc, ne sera pas complète tant que l'Algérie est occupée. On a aussi, pour nous, il a une place très importante. On a Mohamed Abdelkrim Khattabi, qui est quand même du Caire, qui préside déjà à l'époque le bureau de liaison du Maghreb, qui continue à militer, qui continue à estimer que notre indépendance n'est pas complète, elle est entachée tant que les voisins, frères, et tout ce que tu veux, ils sont encore colonisés, avec des promesses très importantes quand même. Après, malheureusement, l'histoire a pris un autre chemin, l'histoire a pris un autre d'autres travers que, hélas, on continue à vivre les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été dit aussi pour ça, c'est pour rappeler l'histoire, mais l'histoire ne doit pas nous empêcher quand même. Ça, c'est la vérité historique, on peut la dépasser. Il y a des peuples qui ont fait des guerres avec des morts, avec beaucoup de choses, qu'ils ont pu s'unir, qu'ils ont pu cheminer ensemble. Je pense que le Maghreb, c'est très peu de choses. Et je finis pour dire que cette génération, comme disait un physicien Einstein, on ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont engendré. Je pense que c'est une génération, je leur souhaite encore de vivre longtemps, mais ceux qui ont vécu donc ces régimes, ce n'est pas avec eux, je pense, qu'il y aura un début de Maghreb. Ça existe déjà réellement, mais un Maghreb politique, culturel, qui a une réelle existence, ne sera qu'avec la génération d'après, mais certainement pas avec ces régimes qui sont en place. Merci Boualem. C'est la ouf. Voilà, comme on disait, nous sommes, nous, d'une autre génération. Nous avons connu des liens
de diverses sortes, entre nous, puisque les frontières, en un moment donné, étaient fermées. Nous les avons connues, notamment dans la diaspora. Je ne pense pas me tromper pour... je pense que vous avez fait une partie de vos études à l'étranger. Vous avez dû aussi connaître un peu ces liens forts qu'il y a entre les Marocains, Algériens, Tunisiens, Mauritaniens et autres, Sahraouis et Libyens, dans les différentes diasporas dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, au moment des indépendances pour que, je pense que la parabole de Tofir est très intéressante, très importante, en disant que il y a eu des initiatives politiques, donc celles entamées par Aït Ahmed, avec, je rappelle le contexte, l'ouverture à un moment donné de cette conférence maghrébine se faisait après une série de négociations entre les dirigeants du FLN au Caire, menés par Khider, et le gouvernement français à Rome, donc le gouvernement de Guy Mollet. L'armée décide de arrêter ces négociations à travers un piratage de la direction politique du FLN à l'époque. Il y a eu d'autres tentatives, puisqu'il y a eu le congrès de Tanger en avril 1958, où Farhat Abbas a pris des positions, en tant que président cette fois-ci du GPRA, a pris des positions fortes sur les questions maghrébines. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, si Farah à l'indépendance qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous analysez la crispation qu'il y a eu entre les deux États? Et puis, puisque vous êtes un expert en géopolitique, à votre avis, Siraouf, qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau géopolitique dans les pressions souterraines exercées sur les dirigeants des pays? Oui, je pense que c'est une question extrêmement difficile, parce que des pans entiers de l'histoire, de cette histoire maghrébine, qui est fondamentalement liée à la période de la décolonisation, reste méconnue. Je pense qu'il est tout à fait juste de dire que les peuples se sont, disant que les pays maghrébins ont acquis leur indépendance, mais certainement pas leur souveraineté pleine. Et quand je dis cela, c'est que je fais référence à l'idée que l'ancienne puissance coloniale avait déjà des plans pour restructurer les chaînes de pouvoir et les structures de domination post-indépendance dans chacun des États, et que tout ceci a été minutieusement étudié, planifié, structuré, à tel point que l'histoire, qui dépasse bien sûr toutes ces négociations-là, a fini par se retourner contre les peuples eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était très difficile à l'époque, il me semble, pour les dirigeants d'échapper à ces schèmes de domination, parce qu'il y avait un tel déséquilibre dans le rapport de force qu'il était très compliqué d'acquérir une souveraineté pleine et non juste une indépendance dès 62 ou dès 56 ou 57. Et donc, l'histoire, bien sûr, ce n'est pas une feuille blanche, ce n'est pas un parchemin qui est écrit d'avance, a avancé par tâtons, différemment avec les pays limitrophes de l'Algérie. Je parle d'une perspective algérienne, donc c'est peut-être un peu différent de nos amis marocains. Et je pense que les conséquences des affrontements qu'il y a eu et des tensions qu'il y a eu suite aux indépendances ont été préméditées, encouragées, stimulées par des schèmes et des logiques coloniales qui étaient clairement planifiées pour casser tout processus d'indépendance réelle. Je pense qu'il suffit, on n'est pas obligé d'être historien pour le comprendre ou d'être géopolitologue. Je pense qu'il est fondamental de prendre conscience d'où on est parti pour essayer de réfléchir vers où on peut aller.
Et ça me fait revenir à la phrase qu'a dit Ahmed avant de clôturer son intervention, c'est de dire remettre au peuple maghrébin le destin du Maghreb, remettre au peuple le destin du Maghreb. Qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui? Ça veut dire que, indépendamment de l'histoire qui s'est écrite durant les 60 dernières années, qu'elle soit positive, négative, qu'elle soit meurtrière, violente ou solidaire, il est nécessaire, il est inéluctable de remettre ce destin-là au peuple de la région. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est précisément un des chaînons dans cette histoire de remise du Maghreb entre les mains des peuples, entre les mains des citoyens. Et donc, au lieu de ça, je pense qu'il faut, c'est très important d'étudier l'histoire, de comprendre les raisons et les soubassements qui ont mené aux affrontements, aux rivalités, aux violences, à toutes les choses négatives issues de l'indépendance. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire un point de focalisation. Il faut plutôt rester orienté sur l'avenir et avancer ensemble et trouver des chemins, des parcelles, des passerelles, pardon, qui nous permettent de consacrer les bases, hein, les fondements qui étaient marqués déjà dans des textes très connus. Vous avez cité le congrès de Tanger, vous avez cité le GPRA, et Ahmed, on peut en citer Khattabi, etc. Et donc aujourd'hui, le défi, dans un contexte de mondialisation galopante, violente, où les menaces sont asymétriques, où on voit clairement qu'il y a des rivalités intenses entre les deux, disons, grandes puissances du Maghreb que sont l'Algérie et le Maroc, comment les peuples peuvent corriger cette histoire? Comment les peuples peuvent contribuer à pacifier et à rendre dynamique et à créer en réalité un espace politique dans lequel chacun des pays trouverait sa place. Avant de faire cela, je pense qu'il est important de faire un état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui, notre ami Boualem l'a dit, je pense que le premier élément à tirer est que nous ne pourrons pas construire cet espace-là avec les élites actuelles, avec les élites politiques actuelles. Il nous faudra avancer vers d'autres régimes politiques, vers d'autres catégories d'élites qui défendent l'état de droit, la démocratie, la construction d'un Maghreb fédératif. Et là, on voit en fait l'interdépendance entre les questions liées à la démocratisation, au respect des droits humains, à celle d'une construction politique qui soit pas seulement effective sur le plan économique, comme on entend souvent à la présenter, mais qui soit, je dirais, en accord avec l'histoire, les valeurs et la culture des peuples du Maghreb. Et ça, c'est un long débat. On peut continuer à en parler ensemble. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, hein, faut pas se leurrer. Mais je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus conscientes, malgré les forces négatives et destructives, notamment je pense aux médias sensationnalistes, hein, qui entretiennent des fausses dynamiques de concurrence qui peuvent mener vraiment à des choses aberrantes. Et donc je pense qu'il est nécessaire de faire d'abord un état des lieux où nous sommes sur différents thèmes, sur différentes voies, et à partir de là commencer à réfléchir comment on peut avancer ensemble vers ce Maghreb que beaucoup de millions d'individus et de Maghrébins rêvent, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est Raouf, justement. Je pense que c'est un peu le but un peu de notre conférence, d'essayer, de commencer en tout cas à de faire cet état des lieux. Mais je pense que vous avez souligné quelque chose de fondamental, c'est que l'histoire est importante dans le sens où il ne faut pas être, comment dire, figé sur
je dirais, un événement ou un autre hein, qui manifeste une certaine vision, je dirais, chauvine ou un peu voilà, particulière des uns ou des autres, comme l'a précisé Sifo Ed, il faut prendre de la hauteur pour voir, pour mettre tout ça en perspective et regarder vers l'avenir. Par contre, l'histoire nous permet de tirer des leçons et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, si on devait aussi avoir une lecture de ces événements-là, c'est d'éviter de refaire les mêmes erreurs et de comprendre les mécanismes qui ont amené à ces erreurs-là. Donc, un des mécanismes qu'a cité Seraouf, c'est la faiblesse des régimes politiques qui étaient, à la sortie des indépendances, dans un rapport, donc là, si Aït Ahmed parlait bien d'un rapport de force hein, à construire face à un certain nombre d'équations qui s'écrivaient sur la région. Sifo Ed, est-ce que vous croyez que les choses ont fondamentalement changé vis-à-vis de ce qui était la nature des équations qui s'écrivaient pour la région en 56, en 58, en 61, en 62. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans des régimes tellement faibles intérieurement parce qu'elles se sont bâties sur l'autoritarisme et sur un rapport privilégié d'alliance avec X ou Y qu'elles, en fait, sont totalement prisonnières d'un certain nombre d'enjeux internationaux. Merci. D'abord, une très grande appréciation pour l'ensemble des interventions qui ont précédé. Ravi de retrouver mes amis de vieille date, Mourad et Boualem, et de découvrir ces Farah et la pertinence de son analyse. Je pense que on ne peut pas nier que les choses ont beaucoup évolué. Et je crois que les deux principaux vecteurs de changement ont été un qui est très négatif par rapport à au constat, au diagnostic de la situation, c'est que après l'euphorie des indépendances et le caractère, je dirais, naturel dans la culture des populations et même des élites de la considération du Maghreb comme espace de vie commune, on a érigé des murs de chauvinisme, de haine, de confrontation. On est allé chercher dans l'histoire, dans l'économie, dans la sociologie, dans tout ce qu'on veut, toutes les raisons pour exacerber tous les facteurs négateurs du rapprochement maghrébin. Et des vecteurs, et pas les moindres, que vient de citer Seraouf, c'est les médias aux ordres qui, de manière systématisée, de manière structurée, de manière appuyée de jour en jour, cherchent absolument à construire une identité propre dans chaque entité étatique de la région par la négation de l'autre, en cassant l'image de soi-même qu'on trouve dans le miroir de l'autre. Et donc, je pense que sur ce terrain, il y a un effort énorme de restructuration, de redéfinition pour pouvoir dépasser ces chauvinismes et ces contradictions qui ont été érigées en idéologie dominante dans la région. Le facteur qui pousse dans l'autre sens, à mon avis, c'est la mondialisation. On ne peut plus aujourd'hui être dans la logique des dirigeants des années 60 qui considéraient qu'on est dans une situation statique, on est dans une situation où on peut approcher les choses de manière purement patrimonialiste, on peut se contenter
de vivre sur le sur ce qu'on a hérité de ses parents. Aujourd'hui, on est acculé à entrer dans une dynamique de développement, de progrès, d'intégration qui ne peut pas se concevoir à l'échelle de micro-États que sont aujourd'hui la Tunisie, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Libye. On est beaucoup trop petit. Peut-être qu'on peut concevoir des États-nations qui trouvent leur place dans le concert des nations aujourd'hui, comme Singapour, peut-être comme les Émirats ou des choses comme ça, mais ça ne peut pas se concevoir à l'échelle de pays de taille qui ne sont ni microscopiques de manière à pouvoir être dans la rupture avec l'environnement immédiat, soit dans des situations suffisamment assises, suffisamment puissantes pour prétendre réellement entrer dans le concert des nations. Et donc, je ne pense pas que l'idée du Maghreb soit aujourd'hui hors de portée ou hors du référentiel et du potentiel, mais je pense qu'il y a un travail très sérieux à faire. Et un des éléments majeurs sur lesquels nous devons construire, à mon avis, c'est de faire pièce à toutes les théories, à toutes les prétentions des dirigeants de nos régions, de notre région, et de leurs sbires et de leurs scribouillards qui prétendent que l'enfer, c'est l'autre. Que systématiquement, si on a un problème dans chacun des pays, c'est parce qu'on a un voisin qui est innommable et infréquentable. Merci. Merci, merci Sifoued. Je reviens un peu sur l'histoire, puisque vous avez vécu une histoire très particulière dans une ville qui a vécu, comme vous l'avez décrit, la quintessence de la fraternité entre les Marocains et les Algériens dans la ville de Oujda. On parle beaucoup d'Oujda dans l'histoire du Maroc, mais aussi de l'Algérie et de ce qui s'est passé après l'indépendance. Quel est votre regard vis-à-vis de la réalité des pouvoirs autoritaires qui se sont construits d'un côté comme de l'autre, et votre regard historique sur comment on en est arrivé à cette guerre, alors cette paix froide, cette guerre froide. J'utilise volontairement ce terme puisque nous avions un pays socialiste en construction, un pays plutôt axé vers le bloc capitaliste, et qu'on a finalement vécu, malgré nous, une réelle guerre froide ou une paix froide entre nos deux pays. Comment vous avez vécu cette période-là? Votre micro, voilà. Je viens d'entendre les réflexions de l'ami Fouad sur le premier point concernant l'enfermement qui s'est opéré lors de la construction de ces États, mais de ces pouvoirs qui ont essayé d'avoir l'ambition d'avoir des États. La fermeture qui s'est faite et qui est sur plusieurs générations. Je vois un certain nombre de jeunes même impliqués dans le Hirak des deux côtés, Hirak Rifin et Djerada ou Hirak Dienna. Il y a vraiment du travail à faire. C'est pas condescendant ni paternaliste, mais je pense qu'il y a un travail d'histoire à faire. J'ai un peu parlé d'Oujda parce que c'est l'île natale qui pour moi a été très, très significative. Et notamment, par exemple, tout le monde savait dès 60, la rivalité Hassan Boumedien se jouait à ce moment-là.
À ma connaissance, il y a eu peut-être d'autres documentations historiques, mais je suis en train de. Enfin, j'ai lu le livre de Gilbert Meynier, Histoire du FLN de l'intérieur, où il revient sur cette période, sur la construction de l'état-major général des frontières, et notamment du côté d'Oujda. C'est-à-dire, il y avait des rivalités où on s'affrontait, mais on se mettait d'accord contre les choses. Et ça, pour moi, c'était fondateur de ce qui allait suivre par la suite. À l'époque, les gens étaient au courant de ces rivalités. Mais ce qui était porteur, c'était les indépendances. C'était la solidarité qui jouait à fond. Et moi, je me souviens d'autres manifestations de ma ville, d'Oujda. Une troisième manifestation qui avait les mêmes ampleurs, c'était quand le camp de la LN d'Oujda a été bombardé. La sortie massive de même intensité que les autres. Et une quatrième, c'était lors de l'annonce des événements qu'il y avait en décembre 60 à Alger. La grande sortie où, aux yeux de beaucoup de gens, il y avait un mot d'ordre dans la rue qui disait « Jibnaha, jibnaha, Allah makhlina ». Ça veut dire quoi, jibnaha? C'était l'indépendance. Et c'était dans les rues d'Oujda. Toute famille confondue sortait en solidarité avec le peuple algérien. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que cette force historique de l'indépendance pouvait supporter les aléas des constructions de pouvoir qui commençaient à s'ébaucher, notamment dans la rivalité de Boumdine et de Hassan II. Mais au lendemain des indépendances, c'est des choses qui se sont installées. C'est des choses qui se sont installées parce que ces régimes-là n'ont pas mis le cap sur l'état de droit, sur les libertés. Ils ont perpétué à l'intérieur de chaque pays cette fermeture, interne d'abord, interne, c'est ça le problème. C'est que l'absence d'ouverture au niveau du Maghreb, elle est constituée par cette espèce quasiment narcissique de l'intérieur. Et du coup, toute velléité d'avoir des idées, il y a eu, pourtant, j'ai entendu tout à l'heure Raouf parler de son analyse. Cette analyse-là a été développée par Mehdi Boumbarka au lendemain de l'indépendance. Elle était développée par ça. Voyons les limites de ces constructions d'États locaux, si j'ose dire, au détriment d'une vision politique anti-impérialiste, et en même temps construction d'un ensemble. Bon, à l'époque, c'était, on disait, l'ensemble révolutionnaire, mais ça vient de là. Cette querelle-là, elle a ses racines. Et je pense qu'un des premiers points, c'est documenter historiquement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de travaux là-dessus. Autant sur certains événements sont documentés, mais cette documentation de cette, solidarité, durant la guerre de l'indépendance, de part et d'autre d'ailleurs de la Tunisie, je pense que ce n'est pas assez documenté. Je plaide peut-être pour ma ville, Oujda, qui était bastion de ça, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ça, c'est le premier point, et donc il y a un travail à faire, vraiment. Et je pense que ça peut aller très vite. Deuxième chose, je pense que là, c'est dit, c'est qu'il faut que nous-mêmes, ceux qui ont cette conviction maghrébine, chevillé au cœur. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte de la situation actuelle. Il faut qu'on renouvelle non pas la problématique, mais le point de vue. Je discute avec des amis dans l'émigration tunisien-marocain, dernièrement encore avec la déclaration de Trump, une provocation intense qui a mis à branle-bas les palais, de nos palais maghrébins, et ont commencé à penser, est-ce que la loi internationale, qu'est-ce qu'elle autorise ou pas? Et je voyais qu'on avait perdu le point de vue de l'actualité. Quelle est l'actualité à l'heure actuelle? C'est la présence des Hirak. C'est ça le point de vue nouveau, ce qu'on disait avant la construction du Maghreb. Elle commence maintenant. Elle commence dans le Maghreb des luttes.
pour l'état de droit, pour les libertés. Il faudrait qu'on examine vraiment tout à fait cessante la question de l'intersolidarité, comme on l'a fait durant les guerres d'indépendance. Sur la question, par exemple, de la répression. Il y a des cas, mais absolument scandaleux, mais ça reste dans chacun dans son coin. Il faut construire des ponts. C'est ce que nos amis du FALDI, le Forum des associations de lutte démocratique de l'immigration, ont essayé de mettre à chaque fois qu'il y a un événement dans un de nos pays, un Irak, ça peut revêtir diverses formes, qu'il y ait une solidarité et permettre aux jeunes, à travers cette solidarité, de comprendre quel est l'enjeu et comprendre aussi l'histoire. Je pense que ces deux choses-là, aussi bien au point de vue action, de solidarité, du point de vue des Hirak du Maghreb, et la documentation historique. Allô, c'est Toufik ? Et c'est l'heure pour moi, vieux militant, de voir ressurgir cette problématique qui est vraiment un bonheur pour moi, hein, que je me sens de plein pied. Voilà. Merci beaucoup, Toufik. Boalem, justement, je pense que Fouad et Toufik ont très bien souligné autant la profondeur et la nécessité de bien comprendre l'histoire, de bien la traiter, de bien se documenter sur finalement ce qui s'est passé pendant nos histoires, je dirais, récentes, mais même des histoires un peu moins récentes, pour bien comprendre la profondeur des liens entre déjà l'Algérie et le Maroc, et d'une manière générale, les liens de tous les pays maghrébins. C'est une profondeur millénaire. À votre avis, Siboualem, qu'est-ce qui s'est passé aux indépendances? On sait très bien que des pouvoirs autoritaires se sont construits, d'un côté comme de l'autre, chacun commençait à voir l'autre avec plus ou moins de méfiance, comme l'a bien décrit Toufik, avec des rivalités naissantes, hein, déjà avant même les indépendances. Nous savons très bien que se créer, se jouer aussi entre l'Algérie et le Maroc, une guerre froide. Hein, c'est pas les deux pays qui s'affrontaient avec un modèle, je dirais, de gauche et un modèle plutôt de droite. Nous avons la Corée, nous avons le Yémen, nous avons plein d'autres exemples en Afrique aussi, de pays qui ont été, je dirais, dans une logique de construction de blocs, d'une logique géopolitique. Comme disait Sifoued, nous aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui reformule l'équation politique dans un autre cadre. Sifoued a parlé de la mondialisation, même aujourd'hui, on a une confrontation souverainisme-mondialisation. Globalement, qu'est-ce qui fait que, quelle leçon on peut justement tirer des positionnements un peu des régimes des deux pays qui aujourd'hui sont malgré tout, hein, malgré tout ce qu'elles ont pu capitaliser et tout ce qu'elles ont pu faire dans nos pays, les indépendances ont quand même porté quelques fruits malgré tout. Mais sur les questions de construction d'état de droit et de construction de l'idéal maghrébin, nous sommes au point zéro. Que pensez-vous, Siboualem, des raisons profondes de cette situation et comment justement dépasser. Si Toufik a bien parlé de la nécessité de remettre au peuple, comme tu le précisais, le destin de nos régions, comment voyez-vous ça? Moi, je peux écouter Toufik et Fouad, tout ce qu'ils disent, j'aborde, ils ont plus d'expérience, plus de vécu, en tout cas sur cette période. Moi, je ne parlerai pas d'histoire encore. On est en train, dans un premier temps, d'avoir un récit commun et une mémoire commune. L'histoire, mon ami Toufik, il dit « j'étais », donc il est dans la mémoire. La mémoire, si je me souviens, l'histoire, si je l'étais une fois. Là, on est encore dont je me souviens. Et je parle de ça parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie? C'est quoi? On a les jeunes d'aujourd'hui des deux côtés. Ceux qui ont moins de 24 ans ne se sont jamais rencontrés. Ou presque pas. Frontière est fermée. Les réseaux sociaux, ça exacerbe tout et n'importe quoi. On a ceux qui ont vécu
sur ceux qui sont chamaillés ou ceux qui ne sont pas chamaillés, ils sont en train de disparaître, ils sont en train de partir. Donc la paix aussi, ça se fait avec des gens qui se sont directement peut-être été liés à cette histoire, que ce soit dans le bon et dans le mauvais, mais ceux-là, soit on ne les a pas laissés, on a écarté ceux qui étaient dans une logique de rassemblement ou dans une logique de construction, et ceux qui ont été dans une logique de garder le pouvoir pour le pouvoir. C'est des pouvoirs très forts, contrairement à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est des régimes très forts, justement. Sinon, ils ne duraient pas. Ils sont très forts aussi de nos faiblesses. Donc, cette génération-là, elle a raté le coche parce qu'on n'a pas laissé Daït Ahmed parler, on n'a pas laissé d'autres de l'autre côté, plein de noms à citer. Et on a une autre génération qui est vraiment maghrébine, hein, qui est celle qui était dans l'exil, dans l'immigration. Elle, aujourd'hui, en France, moi je parle de la France, on se marie, ce qui était moins ailleurs, on milite ensemble, des associations communes, des luttes communes, etc. Mais ceux-là, vu l'histoire, ils peuvent contribuer, mais ce n'est pas eux qui vont le faire. Le Harak se fait en Algérie, le Harak se fait dans le Rif, il se fait en Tunisie. Et on peut l'aider de l'étranger, on peut l'aider, etc., etc. Mais ça, ils peuvent être un bout de la solution. Donc, cela, c'est très important. Donc, à un moment donné, on a quand même ces personnes qui sont prêtes, qui sont disponibles, et ils sont plus nombreux qu'on ne pense. Mais de l'autre côté, les idéologies, ils ont joué un peu plus tard quand même. Du côté du Maroc, on a les gouvernements les plus à gauche, c'est ceux de post-indépendance et immédiat. Jusqu'en 62, c'était le gouvernement le plus à gauche dans l'histoire de carrément presque du Maghreb. Quand on parle d'idéologie, parce que ça, c'est des gens qui étaient, notamment parmi eux, Bambarka et d'autres, qui étaient quand même nourris par l'élite d'indépendance, qui étaient même nourris par... qui étaient des gens de gauche. C'est plus tard, quand il y avait quand même quand Hassan II, en gros, il a renversé la table, voilà, un régime autoritaire. Je parle du Maroc, l'Algérie, les amis, ils peuvent en parler un peu mieux. Il y a aussi un autre facteur, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, c'est que dans n'importe quel pays au monde, la perception de quelqu'un des frontières, ce n'est pas la même de quelqu'un qui est très loin de la frontière. La frontière, c'est là-bas où il y a le plus de brassage, où il y a plus de... J'étais à Oran il y a 2 ans, je rencontre quelques Marocains nouvellement arrivés, ils sont très nombreux, et après je lui dis, combien de Marocains, machin? Il me dit, mais il n'y a pas un Oranais qui n'a pas quelqu'un. C'est un vieux Oranais qui me l'a dit. Peut-être que ce n'est pas vrai. Il m'a dit, un vrai Oranais, entre guillemets, un vrai Oranais, un Oranais géographiquement. Mais il m'a dit, s'il n'a pas un parent au Maroc, ce n'est pas un Oranais. Donc, c'est comme ça qu'ils savent, parce qu'ils ont arrêté de compter. J'avais même vu quelqu'un qui faisait des statistiques. Ils comptent depuis les années 90, la communauté marocaine, par les cartes 6 jours, pour ceux qui travaillent. Mais les autres, chaque fois, ils me disent, je suis né à Missour, dans des villages de chez moi que personne ne connaît. Je suis né. Notre ami Tchoufer, ça lui parle. Il y en a un que j'ai trouvé, que c'est au Tatlhaj. C'est des gens pas loin de la frontière, mais à l'intérieur quand même. Et ça, les frontaliers, c'est eux. C'est une population aussi à prendre en compte, à associer. Des fois, ils peuvent être plus difficiles. Il y a des oujdis qui sont plus difficiles avec des gens de Marnia, qui sont, et vice-versa, ça, c'est quand même famille. Ceux-là, ils sont plus au courant quand même de la réalité du quotidien. Ils sont plus en pointe. Et ils sont plus, ils vivent difficilement. D'ailleurs, dans toutes les frontières du monde, c'est les frontaliers qui ont quand même un pouvoir d'achat un peu plus, qu'ils ont plus de commerce, ça favorise. Mais nous, on a c'est le contraire. On a le Harak de Jalada. Que tu veux faire, qu'il peut en parler de Jalada. Harak de Jalada, le catalyseur, c'était l'arrêt de la contrebande de l'essence. Donc, quand on va dans n'importe quel marché à Oujda, moi je suis un peu plus loin, on nous dit souvent. De la boutade, là. Tu veux des pastèques de Bouteflika, des oranges de Bouteflika, parce que c'était pour dire le gasoil algérien. Il y avait un échange, j'aurais bien aimé qu'il soit formel, qu'il ne soit pas la contrebande, personne n'y gagne, à part les contrebandiers parfois, mais c'était bien qu'il soit comme ça a été. Donc c'est des échanges qu'il faut quand même continuer à faire, prendre en compte ces 3 catégories de population. Aujourd'hui, quand j'y dis, on voit beaucoup de débats quand même qui sont exacerbés avec le pire dans ce qu'est les réseaux sociaux, parce que des gens qui ne sont pas connus, mais ils se connaissent en réalité, mais virtuellement, ils ne se sont pas vus physiquement. Et malgré qu'il y a, pareil, je raconte quelques anecdotes, j'étais il y a 2 ans au Maroc, en fait, à Casablanca, je rencontre quelqu'un qui est un tour opérateur, et il me dit que c'était la plus grande progression de touristes et de voyages organisés, ça venait d'Algérie ces dernières années. C'était des voyages organisés, c'est ça qui a un pouvoir d'achat, etc.
J'ai dit tout à l'heure que j'étais à Oran, il y a une diaspora de travailleurs marocains impressionnante. Donc, c'est par ces échanges-là, par aussi un travail d'histoire, mais l'histoire, il commence. Quelle université marocaine ou algérienne enseigne l'histoire contemporaine du Maghreb? Quel historien spécialiste de ça? On en a quelques-uns, mais ils sont très peu. Donc, ceux-là, on ne le travaille pas. On ne le fait pas ce travail. Plus, avec, il l'a dit notre ami Raouf, c'est vrai qu'il y a ces réseaux sociaux, cette presse, je ne sais pas si on peut l'appeler presse, qui exacerbe tous les instincts pour diviser, pour insulter. On l'a vu avec telle émission des deux côtés, à tel point, je finis vraiment là, j'ai assisté à un échange, où par exemple, des deux côtés, hein, mais surtout côté marocain, où ils disaient qu'en Algérie, ils n'ont pas de lait, ils ne mangent pas de viande, il n'y a plus de coca depuis 30 ans. On a des clichés comme ça, qu'ils ont la vie dure. C'était des gens d'Oujda, une militante d'Oujda, que je ne peux pas citer, mais en tout cas, qui leur expliquait que la moitié de l'Oriental et des gamins, ils ont grandi avec le lait lahda, avec du lait en poudre algérien, parce qu'il était de meilleure qualité. Il était en contrebande aussi. Hein. C'était vendu par des généraux, vendu par des trucs comme ça. Voilà. Après, bien, ouais, merci beaucoup de bien montrer, de bien montrer la profondeur des liens humains et familiaux, et puis la nécessité d'échanger entre nos régions, nos pays. C'est fondamental pour construire un avenir commun et, je dirais, dans l'intérêt partagé des peuples et voilà, des régions. Mais Juste une phrase, j'avais oublié parce que ça me tient à cœur. Oui. Oui. Le harak du Rif, il était social, bien sûr. Et le harak de Zagora, il y avait aussi le 20 février, bientôt qu'on a quand même les 10 ans. C'était un mouvement avec un espoir formidable. Il n'a pas échoué, mais il a été freiné dans son élan. Il y avait le harak algérien, regarde la similitude des noms et tout ça. Et il y avait parmi les propositions récentes de certains militants, comme on a des prisonniers des deux côtés, en diaspora, on saisit l'ONU, l'Union européenne. Moi, j'étais de ceux qui disaient mélangeons les prisonniers et faisons une démarche commune si on doit faire un truc vers l'ONU. Parce que c'est les mêmes raisons qui ont fait qu'on a arrêté en Algérie, qu'on a arrêté au Maroc. Et c'était une lutte commune. Et ça, c'est vrai qu'il y avait une espèce de repli, y compris des replis de ces haraks. Donc chacun, à un moment donné, était préoccupé par cette situation intérieure, très pris par cette situation intérieure. Mais nous, en diaspora, c'était la chance de tout. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait entreprendre en tant que maghrébin. Une anecdote, moi j'avais suggéré à mes amis, on a quelques prisonniers du Harak du Rif, notamment Nasser Zafzafi qui a pris 20 ans, avec quelques, dans un désespoir, il avait renoncé à l'institut marocain et à l'allégeance. Donc il a dit, je suis apatride. Moi j'aurais préféré qu'il dise, voilà, maintenant je suis maghrébin. J'ai un truc éthiopiste, mais je suis maghrébin. Je vais être adopté par le Maghreb. Parce que le Maroc, voilà, c'était des petites anecdotiques. Absolument, Siboualiam, je pense que là-dessus, il y a dans le mouvement, les mouvements de nos pays, des grandes convergences. Et il faudrait que justement on arrive à, comme le disait Sitofiq, à construire dessus un avenir commun. Moi j'insiste à revenir sur une analyse historique parce que ça permet de comprendre finalement les ressorts qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui. Même si, bon, ce n'est pas la peine de toujours rassasser l'histoire et la légitimité historique, mais il est bien important de comprendre les ressorts historiques pour s'apercevoir si nous sommes dans, nous avons suffisamment appris de cette histoire ou pas. Si Raouf, vis-à-vis de nos indépendances, donc ce que soulignait très bien Boualem, les gouvernements qui se sont succédés à l'indépendance du Maroc étaient les plus à gauche. Ben Barka était réfugié en Algérie à partir de 62 jusqu'en 64, il me semble. Et puis les dirigeants algériens, à partir de 64-65, pour certains historiques, étaient réfugiés au Maroc. C'est quand même assez remarquable. Donc Ben Barka quitte Alger en 64 et assassiné quelques années après à Paris par des intérêts internationaux. C'est dire l'importance des enjeux géopolitiques qui se sont joués dans nos régions
Aujourd'hui, est-ce qu'on a une réelle analyse de ce qui s'est joué et qui continue à se jouer aujourd'hui et qui fait que on a deux pays qui s'affrontent mondialement, diplomatiquement, sur des questions qu'on peut essayer de discuter avec des bases saines, mais qui s'affrontent à travers des alliances internationales. Est-ce que on a suffisamment de recul sur ce qu'a été l'histoire de ces affrontements d'États et sur les questions de ces affrontements pour pouvoir aujourd'hui tirer des leçons et commencer, au-delà de renouveler les élites politiques pour refonder justement la fraternité entre les États, mais refonder aussi la relation politique entre les États sur des bases beaucoup plus saines. Qu'en pensez-vous, Raouf? Je pense que c'est une question qui est assez complexe et très difficile de résumer les 60 dernières années et les leçons à tirer en quelques mots, mais ce que je peux dire, c'est que on a vu dès les indépendances, ou même avant, se mettre en place, encore une fois, je le répète, des pouvoirs autoritaires qui ne se sont pas construits sur la question sur des légitimités populaires, sur une adhésion populaire forte, mais sur des formes d'allégeance et de suzeraineté internationale, d'accord. Il y a ça, c'est un fait historique. Les affrontements qu'il y a eu entre et les violences, les affrontements et les tensions qu'il y a depuis 50 ans ont été bien évidemment manipulés, instrumentalisés et édulcorés par ces puissances-là. C'est une réalité, cela. Mais il ne faut, en disant cela, il ne faut pas délégitimer ou déresponsabiliser ces élites politiques qui n'ont jamais eu une vision commune sur la question du développement maghrébin, parce que justement, ils avaient la légitimité, leur légitimité, ils tentaient toujours de l'acquérir ailleurs. Et que s'ils se basaient sur la légitimité populaire pour faire un effort de construction maghrébine sérieux, ceci remettrait en cause leur pouvoir. Donc, que ce soit pour la guerre des sables, ou que ce soit pour le statut du Sahara occidental, ou que ce soit pour les différents épisodes de tension qu'il y a eu au cours des 50 dernières années, ce sont des épisodes qui découlent directement de la question de la légitimité et de la question de l'instrumentalisation des nationalismes ou des chauvinismes nationaux pour, encore une fois, masquer une réalité qui est celle de l'illégitimité ou en tout cas du manque de légitimité des pouvoirs qui se sont installés post-indépendance. Bien sûr, les acteurs internationaux, les puissances internationales n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un Maghreb fort, un Maghreb uni, un Maghreb des peuples, un Maghreb démocratique. Tous les efforts qui ont été déployés dans ce sens ont fini par être cassés. D'accord ? Et ça, c'est, encore une fois, c'est une réalité historique. On peut examiner ensuite l'histoire. Moi, je ne suis pas très d'accord avec l'argument disons, de la différenciation idéologique entre l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre. Je pense que c'est d'abord une question de rapport de force et c'est une question de éminemment politique. Ce n'est pas le choix du modèle économique ou les choix idéologiques qui ont influé sur la non-construction du Maghreb. Certes, les alliés étaient différents, mais quand ça arrivait aux intérêts internationaux, à partir du moment où il y a une division du gâteau et une division du travail entre les pays de la région, ça ne pose pas problème. Et cette réalité continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. On a une puissance algérienne qui est
On a une Algérie qui est présentée comme étant un acteur central de la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien et qui s'auto-glorifie disons des retours qu'elle a de ces puissances-là. On a un Maroc ouvert sur le capital international qui permet à des multinationales de venir, de trouver des terres, des espaces et une certaine aisance financière que d'autres pays du Maghreb ne lui offrent pas. Bref, le système international fonctionne de telle sorte à ce que chacun des États joue un rôle dans cette division-là. Et la possibilité de penser une complémentarité maghrébine au profit des Maghrébins, au profit des peuples, est systématiquement annihilée, voire même pas pensée par les élites actuelles. Et donc la première leçon à retenir, peut-être c'est celle-là, c'est de dire aujourd'hui, notre problème, bien sûr, il est fondamentalement lié à la question des états de droit, à la légitimité du pouvoir, à la souveraineté des peuples. Mais cette souveraineté-là, elle ne s'acquiert pas de manière systématique. Elle est une démarche de longue lutte qui doit se faire à la fois entre pays maghrébins, entre nous, de manière solidaire, mais aussi contre des puissances internationales qui n'œuvrent pas dans l'intérêt des peuples. Et donc, ça, c'est la leçon numéro un. La leçon numéro deux, pour moi, elle est fondamentale, c'est le rôle des sociétés civiles dans la construction, ou en tout cas dans la déconstruction de ce narratif anti-maghrébin qui existe aujourd'hui et qui, il ne faut pas avoir peur de le dire, est prédominant. Et donc, comment les sociétés civiles, à travers des exemples très simples, comme l'a dit Boualem, comment elles peuvent être mieux liées, comment elles peuvent, disons, converger leur lutte, comment elles peuvent aider à construire l'espoir d'un Maghreb comme espace fédératif, j'utilise bien ce mot, pour que chacun de nous puisse y trouver sa place. Pour moi, par exemple, la question du Sahara occidental et du statut du Sahara occidental, ce n'est pas tant, le Sahara occidental n'est pas tant le problème en soi, c'est l'expression d'une faillite du projet maghrébin. Tu vois, le statut du Sahara occidental, c'est un statut qui doit être discuté au sein des pays maghrébins. Le Sahara occidental, bien sûr, est une priorité, est une question fondamentale pour avancer vers la construction d'un espace maghrébin. Mais il ne trouvera sa place que dans un espace maghrébin fédératif. C'est-à-dire, et là, on part sur les deux options, hein, c'est-à-dire celle de l'autonomie pleine et entière avec le Maroc ou l'option de l'indépendance. Peu importe l'option choisie, elle doit s'inscrire dans le cadre d'un espace maghrébin fédératif. Et donc, la question du Sahara occidental n'est pas ce qui gêne la construction du Maghreb. Elle est plutôt l'expression de régimes qui n'arrivent pas à construire un espace où tous les peuples pourraient se retrouver. Donc, voilà, ces deux leçons sont pour moi essentielles et je laisserai les amis continuer à continuer sur le sujet. Merci. Géopolitique, hein, puisque on essaye dans ce temps un peu ces enjeux-là pour justement se notre destin, hein, que ce ne soit pas un destin décidé quelque part pour nous. Donc, si Fouad, je pense que voilà, Raouf a bien, je pense, bien brossé, malgré la difficulté d'un exercice de synthétiser en quelques minutes une histoire très très dense. Si on devait retenir un événement, puisque Raouf a parlé du Sahara occidental, que les Marocains considèrent le Sahara marocain, si on devait focaliser là-dessus,
voilà, je est-ce que aussi cette question-là, qui a été une question, inscrite par le Maroc comme une question d'économisation dès le départ, dès 1960, est-ce que finalement les développements sur cette question ne sont pas aussi des conséquences de régimes qui ont, comme disait Serraouf, des difficultés de légitimité interne. Hein, nous savons, hein, nous nous rappelons la guerre des sables où Ben Bella disait Hagrona, et puis il arrive à transformer une contestation interne à l'époque contre son pouvoir vis-à-vis de la défense de la frontière. Et puis nous nous souvenons aussi de Hassan II qui a subi quelques coups d'État, dans celui de Sreerat, et qui était à la merci finalement aussi d'enjeux internationaux sur la question qui se jouait non seulement au Maroc avec le Sahara occidental, mais souvenons-nous, il y avait aussi une révolution en Espagne et en Portugal à la même période, c'est-à-dire une révolution à Hirak qu'ont vécu une révolution des œillets en Espagne avec la fin du pouvoir de Saint-Lazare et de Franco en Espagne. Portugal. Portugal, oui, pardon. Portugal. Portugal et Franco en Espagne. Donc, on est en plein Hirak, en Algérie, au Maroc aussi. Est-ce que globalement, dans des périodes comme ça de mouvement, les puissances n'arrivent toujours, à travers des alliances avec des pouvoirs très faibles et des pouvoirs autoritaires qui construisent leur légitimité l'un en face de l'autre, l'un face à l'autre, l'un contre l'autre, arrivent encore à prolonger le diktat de l'ordre mondial sur l'Algérie et le Maroc et sur le Maghreb de manière générale. Vous avez parlé de mondialisation. Est-ce que justement, dans cette mondialisation, la question de la place de notre région n'est pas aussi une question de la place, notre capacité à arracher cette place-là d'une manière intelligente, souveraine, et donc revenir à des éléments d'échange qui soient beaucoup plus équilibrés pour éviter justement que nous soyons toujours les victimes d'enjeux internationaux. Personnellement, je ne pense pas que les enjeux des puissances, des superpuissances dominantes dans le monde ou des grandes puissances dans notre région gagnent à la situation de confrontation, d'insécurité, de fermeture des frontières, d'inexistence de synergie dans le Maghreb. Bien au contraire. L'Union européenne a à maintes reprises sorti des analyses, des documents, des positions politiques dans lesquelles elle considérait que l'inexistence du Maghreb ne nuisait pas seulement au peuple du Maghreb, mais aussi à son économie et sa population. Et je pense que pour les États-Unis et d'autres, évidemment que avoir ce qu'on appelle un conflit de basse intensité dans notre région permet plus aisément de maîtriser, de dominer des États fractionnés et en conflit les uns avec les autres. Mais fondamentalement, leur intérêt bien compris serait quand même d'avoir une entité régionale pacifiée, intégrée et en croissance forte qui lui offrirait des opportunités incommensurablement plus intéressantes pour ses échanges commerciaux, pour ses investissements, pour ses ventes de savoir-faire et autres. Donc, à mon avis, il ne faut pas qu'on continue avec les schèmes d'il y a un siècle où l'essentiel de la confrontation impérialiste était sur l'occupation physique du territoire. Aujourd'hui, on est au contraire sur la création d'opportunités où l'essentiel pour l'impérialisme, c'est de monter
dans la chaîne de valeur en déléguant aux autres pays ce qu'ils considèrent comme des espaces de faible intérêt économique, de faible productivité. Donc, que le Maghreb puisse avoir une croissance de 10% l'an et qu'il devienne un lieu pour les industries légères qu'il y a lieu de délocaliser, etc., ça reste quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, on continue de le voir aujourd'hui, l'intérêt pour l'Algérie avec ses hydrocarbures, l'intérêt pour le Maroc avec les opportunités de place industrielle ou financière ou relais à l'égard de certains pays en Afrique de l'Ouest, montre que et l'Europe ou les principales puissances européennes et les États-Unis ne considèrent pas qu'il y a une aubaine à la confrontation, mais considèrent que c'est une contrainte avec laquelle ils savent vivre. Et leurs déclarations sont très nettes. Ils disent vous êtes cons, vous êtes sur des trajectoires aberrantes, mais nous n'avons ni la possibilité ni le désir de remplacer vos dirigeants. Et donc, débrouillez-vous. Le jour où vous serez plus rationnel, où vous serez plus visionnaire, on pourra mieux travailler. Aujourd'hui, on travaille avec ceux qui dominent la place, et ceux qui dominent la place sont ce qu'ils sont. Sur l'idée de la perspective aujourd'hui, il faut d'abord qu'on reconnaisse que quand les décideurs de notre région parlent et quand ils sèment leur venin à travers les médias qui sont à leur botte, on nous ressort une infinité, une panoplie de problèmes historiques plus ou moins vrais. Est-ce que nous avons été une entité unique ou pas? Est-ce qu'il y a véritablement une légitimité historique millénaire d'une monarchie marocaine contre un État algérien créé de toutes pièces ou qui n'a jamais existé avant la colonisation française? Est-ce que les Marocains ont réellement trahi l'émir Abqadr et ont permis qu'il soit vaincu par les Français? Est-ce que l'Algérie n'a pas failli à l'accord moral qu'il y avait à ce que le Maroc accepte de sortir de la colonisation française dans les limites qui lui ont été concédées plutôt que de revendiquer le Touet, le Sahara oriental, etc. Est-ce que l'Algérie a été réellement la cause ou la victime de la guerre des Sables en 63? Est-ce que l'Algérie a été un fomenteur de troubles et un instigateur des rébellions et un appui direct qui intervenait dans les affaires intérieures du Maroc? Est-ce que le Maroc a été un acteur direct dans le développement du GIA et de la guerre civile en Algérie? Est-ce que le Maroc, de manière délibérée, encourage le trafic de drogue à l'égard et sur le territoire algérien en partant de son territoire et du Kif qui se développe essentiellement dans ces régions nord? Est-ce que le Maroc serait le principal gagnant d'une ouverture des frontières grâce à la richesse relative des Algériens qui viendraient au Maroc faire leur tourisme et leur commerce? Est-ce que l'Algérie a été derrière les événements de l'Atlas Hassani en 1994? Est-ce que le Maroc doit s'excuser de la fermeture des frontières et de l'imposition d'un visa aux Algériens suite à ces événements de l'Atlas Hassani l'été 1994? Et la liste est infinie. Et à moi, encore une fois, je reviens à, et je suis heureux de l'ouverture que tu nous as proposée avec Hussein et Ahmed. Pour moi, il y a des choses à discuter. Et je suis certain qu'il y a eu des faillites, qu'il y a eu des crimes de part et d'autre. Mais la question n'est pas là. Est-ce que
est-ce qu'on n'aurait jamais pu concevoir l'Europe d'aujourd'hui si la France et l'Allemagne avaient continué à batailler sur la sur l'origine historique et la souveraineté sur l'Alsace-Lorraine, sur le sort de la guerre de 14-18 et de 45, sur les accords de Versailles, sur le nombre de morts, sur le nazisme. Et on a le choix soit de rester enferré dans le passé et de chercher des excuses pour la confrontation avec le voisin, soit de dire on a un passé et on est de toutes les manières, l'humanité, même dans les livres saints, considère qu'elle est native d'Adam et Ève qui ont eu deux fils et dont l'un a tué l'autre. Donc, nous sommes tous héritiers, au moins dans cette mythologie religieuse, d'assassins et de victimes. Est-ce que nous allons continuer à ressasser cette histoire et à être les pleurnichards qui vont chercher la victimisation à l'égard de l'autre, ou bien nous allons dire il y a eu ce qu'il y a eu et les historiens se feront un devoir de nous permettre de mieux lire ça, mais ce n'est que de l'histoire et nous ne voulons pas venir du passé, nous voulons venir de l'avenir. Et l'avenir ne peut pas se concevoir, ne peut pas être viable à l'échelle de micro-États comme les nôtres actuellement. Ils sont invivables dans la compétition internationale. Et donc, je conclue en revenant à la conclusion de Serrao sur l'affaire du Sahara. Pour moi, il y a une infinité de possibilités de résolution du conflit du Sahara, mais les principales seraient qu'une partie puisse vaincre et mettre à terre et terrasser littéralement l'autre partie, que ce soit le Maroc en imposant une annexion pleine et entière du Sahara occidental, ou l'autre partie en imposant l'indépendance de ce même Sahara occidental. Je pense qu'il y a l'autre option qui est l'unique rationnelle, souhaitable, c'est que on puisse trouver une solution négociée qui permette de reconnaître les intérêts légitimes et les droits légitimes de chacun et qui, en même temps, permette de trouver des solutions d'avenir. Et ça ne peut être que le Maghreb intégré dans un esprit fédéraliste où qu'on soit fédéré et puis qu'on ait un attachement particulier à cette entité ou l'autre devient secondaire par rapport à l'entité globale dans laquelle nous voulons nous inscrire et qui donnerait une réelle perspective et un réel potentiel pour notre avenir commun. Merci. Merci beaucoup, Sifoued. Vous soulignez à juste titre les différents, travers, en tout cas les différentes accusations des uns et des autres, mais vous soulignez très bien aussi que les régimes se sont construits des légitimités. C'est ce qu'a aussi très bien défini notre ami Raouf, sur d'autres légitimités que la légitimité populaire. Et donc la légitimité par les urnes issue de la souveraineté des populations, des peuples de la région. Et donc je pense que, est-ce que c'est au fait que le problème aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas le retour à cette légitimité populaire, donc le retour au Maghreb des peuples, et finalement ce que souligne très justement Sifoued, c'est d'essayer de construire un avenir commun sur des questions d'intérêt commun, des questions politiques, mais aussi de trouver des moyens de s'insérer dans le monde. Alors, certains disent qu'il n'y a plus de sujet idéologique puisque la mondialisation s'est imposée au monde entier. C'est peut-être une réalité mieux vue d'un côté que d'un autre. Elle n'est peut-être pas perçue de la même manière qu'on soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye. Et puis, ça dépend des convictions politiques de chacun. C'est vrai que, est-ce qu'il ne faut pas trouver justement des voies et moyens
de traduire l'intérêt commun, qu'il soit politique, économique, social, à travers des compromis politiques sur un certain nombre de questions. Souvenons-nous que l'Europe ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle a commencé avec l'Europe du charbon, elle a trouvé des sujets sur lesquels, elle s'est construite au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'euro, jusqu'à arriver à l'Europe de la défense, etc. Donc, est-ce que nous, dans notre construction maghrébine, partant, il faut bien le souligner, des discours à l'issue de nos indépendances, comme Ben Barka, était membre influent, très influent des non-alignés, comme Ben Bella, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui vit d'autres types de confrontations. Comment voyez-vous cette capacité vis-à-vis de projets communs à trouver les sujets et les convergences sur lesquelles nous pouvons commencer à bâtir? Je parle. Le micro, ça va? Oui, oui, c'est très bien, Stoffer. Moi, je vais parler d'un point de vue militant associatif. J'observe quand même un point, c'est que dans le contexte actuel, d'après les rencontres que j'ai, soit des proches, soit dans des colloques, des choses comme ça, il y a quelque chose qui est un élément dont il faut tenir compte. C'est-à-dire comme on le retrouve dans les composantes sociologiques, par exemple du Hirak algérien. Beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui veulent renouer avec la production, se mettre à l'écart un peu, comme ils peuvent, du système rentier, où se fait jour, avec une évidence, selon leur propre intérêt, d'une possibilité de créer quelque chose, un espace, une esquisse d'économie possible pour mettre un terme à ce qu'on appelle les trafics, entre guillemets, mais bon, on les appelait aussi du côté d'Ouja, Tijara Tatriq Louhda. Ça veut dire ce que ça veut dire. On continue le commerce, quels que soient les aléas des pouvoirs. Je pense que c'est un élément dont il faut être très attentif dans ce qu'on disait, les possibilités de compromis d'une certaine instance proche des entrepreneurs, des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément nouveau. Une partie de l'émergence des exigences d'état de droit, des libertés qui se fait jour dans nos pays, elles ne sont pas porteurs uniquement par le mouvement des travailleurs, soyons clairs. C'est aussi des entrepreneurs qui pensent que les états autoritaires tels qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire leur travail, il y a une nécessité de faire ça. Donc, ça, c'est un point très important, qui émerge d'ailleurs dans certains groupes associatifs dans le Hirak, avec des réflexions, on peut penser ce qu'on veut, mais en tous les cas, ça fait partie du débat démocratique. Du point de vue de là où je sais que le mouvement associatif, je pense qu'il y a vraiment une priorité. Parce que, bon, c'est peut-être l'activiste qui parle, mais je pense vraiment qu'à l'occasion des répressions qui se déroulent, des situations mais infâmes, par pudeur, je ne dirais pas la situation que notre ami Fouad Abdelmoumni vit, il faudrait qu'il y ait une conscience, j'allais dire construire, conscience maghrébine. D'ailleurs, c'est un terme, conscience maghrébine, qui a été inventé, enfin, créé par les catholiques, les chrétiens d'Algérie, où ils ont constitué conscience maghrébine. Je pense qu'il faut renouer, alors, c'est pas uniquement un volontarisme, mais par effectivement ce qu'il appelait les voyages, ce qu'il appelait des débats, des connaissances, et surtout des actions de solidarité. Moi, pour moi, vraiment, en tous les cas, c'est ce que je sais faire en tant que vieux militant. Voilà, ça, c'est très important, ne pas lâcher prise sur ces questions-là, être intraitable. C'est-à-dire, nos amis du RIF, là, ils sont... Qu'est-ce qu'on fait? En Algérie, on en parle comme ça, mais il n'y a pas d'élan. Il faut le construire, ces élans de solidarité. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je reviendrai sur les possibilités
d'examiner cette problématique de l'ouverture des frontières. Je pense que ce n'est pas uniquement par nos régions limitrophes sont victimes en ce moment de cette fermeture. Peut-être vous, un et d'autres connaissent le côté ubuesque de quand vous avez un parent qui est mort à Tlemcen et vous êtes d'Oujda, hein, vous avez deux choix. Soit vous prenez le train ou l'avion à Rabat-Oran, Oran-Tlemcen, et vous n'arrivez pas à temps pour l'enterrement de l'ami ou du proche qui est mort à Tlemcen. Alors vous êtes obligé d'emprunter Tariq al-Wahda, qui est à peu près les mêmes sommes, pour arriver à temps. C'est invivable, c'est invivable. Peut-être que ce n'est pas ressenti à l'échelle de chacun des deux pays. Mais cette question-là, il faudrait vraiment l'examiner en priorité, voire prendre par ce bout-là les questions à n'importe quel échelon, même avec les pouvoirs tels qu'ils sont, mais en tous les cas, pousser dans ce sens-là, en tous les cas, c'est le point de vue de mes amis et camarades du Forum social maghrébin. Toutes les associations, on a pris plusieurs initiatives dans ce sens-là. Il y a un troisième point, en tous les cas, pour l'émigration. Nous, l'émigration, l'histoire de l'étoile nord-africaine, cette étoile-là a guidé plus d'entre nous, sur plusieurs générations, a guidé nos pas. Et donc, on peut être une caisse de résonance de ces avancées, de ces solidarités, aussi organiser des débats contradictoires, mais multiplier à l'occasion de ces mouvements inédits pour exiger des états de droit, amener la jeunesse notamment à s'emparer de ces questions-là maghrébines, voire internationales. C'est ça le problème pour nous, militants associatifs. C'est comment aider ces jeunes-là, leur amener, transmettre d'abord une mémoire, une histoire, mais aussi les aider à s'emparer de ces questions-là. Parce qu'on a l'expression générique, les peuples doivent se saisir de cette... Mais c'est d'abord la jeunesse. La jeunesse qu'il faut... voilà, mais si j'allais dire à mon niveau, sur lequel, en tous les cas, je poursuivrai mon action. Et je pense que c'est un enrichissement de nos hirak respectives. C'est-à-dire, on n'arriverait pas à tout résoudre. On n'arrivera pas à tout résoudre dans cette dynamique-là. Mais amener des éléments, nourrir le Hirak. Et on découvrira que l'exigence, par exemple, d'une Algérie démocratique, plurielle, sociale, eh ben, on peut étendre ces adjectifs-là à l'ensemble du Maghreb. À l'ensemble du Maghreb. Et pourtant, le Hirak, à l'heure actuelle, en Algérie, il n'y a pas une solution politique à court terme, mais on cherche... c'est la même démarche qui doit prévaloir dans la construction du Maghreb, de nos voeux, de nos convictions et de notre espoir. Voilà. Pour moi, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est offert. Voilà, oui. Pour moi, en tous les cas, le Hirak est venu comme une espèce algérienne, donc de mon pays, est venu comme une cerise sur le gâteau, si j'ose dire, dans cette démarche de conviction maghrébine. Et c'est, voilà. C'est pour moi, je ne change pas de registre, c'est le même. Vous avez souligné, c'est offert conscience maghrébine, sacrée référence, puisque rappelons-nous que les premiers tracts du FLN étaient publiés dans les journaux de Mondouze, hein, conscience algérienne et conscience Absolument. Maghrébine, et Absolument. Que c'était des journaux voilà, de libéraux, de catholiques. Et donc, c'est assez remarquable que dans un discours comme le soulignait Sifou Ed de mondialisation, de liberté des échanges, etc., à l'époque, le FLN avait trouvé le soutien de libéraux, hein, de Jacques Chevalier, de notamment Mondouze, pour pouvoir justement apporter du développement dans la région. Du développement politique dans la région, sans nécessairement rentrer dans quel type de développement. En tout cas, Sifar Raouf, avant de revenir à la question à Boualem,
Justement, sur cette question politique et économique, je pense que voilà, c'est un sujet très important, puisque certains disent le politique prime sur l'économique, d'autres disent l'économique prime sur le politique, d'autres disent c'est les peuples, c'est les réalités sociales qui priment sur les deux. Est-ce que aujourd'hui, justement, la caractéristique de nos pays, c'est que les systèmes ont été probablement, certainement autoritaires, dictatoriaux, l'état de droit est quasi, est très problématique dans nos pays, mais que économiquement, malgré, comme le soulignait peut-être des positionnements idéologiques, est-ce que vous disiez vis-à-vis d'alliances, hein, puisqu'on connaît, on sait très bien que le régime qui s'est installé en Algérie avait malgré tout des grandes affinités avec un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, malgré ce qu'on dit comme alliance avec la Russie à l'époque des blocs qui se jouaient. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui caractérise nos régimes aussi, nos réalités socio-économiques, c'est que nous avons des systèmes rentiers. Et dans ces systèmes rentiers, la liberté, je dirais, d'entreprendre, la liberté de prospérer, la liberté de travailler, les libertés de manière générale, sans problématique, puisque dans un système rentier, il s'agit de protéger une rente, de protéger une rente de situation, de protéger des parts de marché avec des méthodes qui sont très loin, hein, de ce qu'on appellerait celle d'un marché ouvert ou d'un état de droit. Voilà. Comment voyez-vous ces réalités économiques, sociales et politiques dans la difficulté de créer notre Maghreb ? Je pense que la dimension la plus évidente du non-Maghreb, elle se voit directement sur les questions économiques. Il y a plusieurs rapports qui ont été émis sur cette question-là, notamment celui de la Banque mondiale en 2016, qui montrait que le coût du non-Maghreb est évalué à peu près à 3-4% du PIB, ce qui est énorme pour une région qui englobe à peu près 100 millions d'habitants qui a un PIB et un produit intérieur brut supérieur à 200 milliards de dollars. Donc, imaginez le coût d'un Maghreb. Je n'aime pas souvent aborder la question économique en premier lieu parce que je ne pense pas que ça soit la porte d'entrée, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Tofir sur la question de la nécessité de continuer à militer pour qu'il y ait ouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Là, sur ce débat-là, on a fait un focal, je dirais, sur la question Algérie-Maroc. Mais je rappelle que moi je vis à Tunis, hein, donc je peux vous dire qu'il y a une vraie volonté de construire le Maghreb ici à Tunis, et qu'il y a même une frustration qui a été exprimée maladroitement récemment par Monsieur Merzouqi, qui a dit en gros voilà, il y a un Maghreb et on l'assume pas, on le fait pas, on le construit pas. Je pense que la question d'un Maghreb économique, elle serait fondamentale pour un petit pays comme la Tunisie, qui souffre aujourd'hui d'une situation et d'une crise financière, mais aussi d'une crise socio-économique aiguë. Et donc les avenues sont multiples. Je veux dire, la question de la place de la question de l'économie dans la construction du Maghreb, elle serait au cœur de la réflexion. Mais il ne peut y avoir de solution économique sans qu'il y ait de réflexion politique, parce que nous ne sommes pas malheureusement l'Union européenne, nous avons une autre trajectoire, nous avons une autre histoire. Tout nous lie entre pays maghrébins, de la religion à la culture en passant par la nourriture. Et la question du développement du Maghreb, elle se pose comme question politique.
et non comme question économique. Dès lors qu'on aura réglé la question économique, la politique, on abordera la question des modèles économiques et des choix économiques entre nous. Et cette solution-là, elle doit partir des revendications populaires, elle doit partir de ce que les gens dans les zones frontalières exigent, de ce que les entrepreneurs et ceux qui ont les PME et les TPE veulent comme Maghreb. Ça ne partira pas d'une institution, ça ne partira pas d'une approche top-down, pour parler en bon français. Ça partira d'en bas, c'est-à-dire que la construction de l'Union du Maghreb arabe, alors, d'ailleurs c'est la première fois qu'on l'évoque aujourd'hui dans notre discussion, ça démontre en fait que les institutions qui partent d'en haut, ces espèces de coquilles vides qui ne servent à rien, n'ont aucun sens dès lors qu'elles ne partent pas sur des bases politiques solides. Et donc, on peut faire plein d'études pour évaluer le coût du non-Maghreb, pour estimer qu'est-ce qui serait mieux de faire, la question bien sûr de l'ouverture des frontières, la question de la défiscalisation d'une bonne partie des produits, par exemple, qui circulent entre les frontières, la question de la constitution de régimes douaniers qui seraient plus ou moins équivalents. Bref, c'est des domaines techniques. Les solutions sont multiples, mais le préalable, il est politique. Le préalable, il est politique, c'est-à-dire qu'il faut une volonté politique, et cette volonté politique-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Il n'y a aucun signe que la frontière algéro-marocaine soit réouverte dans les prochains mois, voire les prochaines années. Il faut pour cela qu'il y ait un vrai changement de régime, un nouvel état de droit. Il faudrait que les luttes continuent à se démultiplier et c'est seulement ainsi qu'on pourra arriver à faciliter la construction de ce Maghreb et l'émergence d'un Maghreb économique fort. Je veux dire, c'est des questions qui sont évidentes. Quand la commission économique des Nations Unies, l'UNECA se réunit annuellement à Addis Abeba pour travailler sur ces questions-là. J'ai eu la chance d'y assister. Le Maghreb est toujours absent. Absent. On n'est jamais représenté. Vous avez la CDAO, vous avez les groupes de l'Afrique du Sud, mais vous n'avez pas l'Algérie. C'est une cinquième zone économique africaine qui est totalement absente. Absente. Et c'est une réalité, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, soit on construit des solutions top-down, d'en haut, ça ne marche pas, ça ne marchera pas avec le contexte actuel, c'est-à-dire des régimes autoritaires qui jouent sur la question d'une espèce de paix froide et d'affrontement et de tension permanente entre l'Algérie et le Maroc, ou on prend le temps de mener une lutte politique qui clarifie les priorités, et par la suite on développera un modèle économique qui placerait le Maghreb véritablement dans une mondialisation qui est encore une fois très dure, très très dure, et qui nous permettra aussi d'en tirer le meilleur, parce qu'on peut aussi en dégager quelque chose qui soit bénéfique pour la région. Il est insensé, par exemple, que l'Algérie négocie son accord d'association avec l'Union européenne actuellement, qui est en stand-by, hein, qui est en arrêt. Il est impensable que la petite Tunisie négocie seule face à 27 États. Imaginez si on pouvait négocier les accords d'association en tant que Maghreb. C'est ce qu'on a entamé justement, c'est Raouf, la dernière fois dans notre conférence, puisqu'on a une conférence sur le coût du non-Maghreb. Merci beaucoup. Le temps passe je pense que c'est un débat passionnant. On aimerait bien continuer des heures et des heures, mais je pense que voilà, il faudra arriver à s'arrêter et puis en faire d'autres, Inch'Allah. Peut-être sur le même sujet, Sibou Alem. Ça fait plus de 2 heures.
Donc Raouf précise très justement qu'il y a eu des logiques top-down dans l'élaboration d'un certain nombre de projets qui sont morts dans l'œuf pour des raisons tout aussi élitistes, voire politiciennes. Est-ce que justement le rôle des politiques, ce n'est pas justement d'écouter, comme vous dites, c'est Boualem, d'écouter la société, et donc la société dans toutes ses composantes, dans la composante sociale des travailleurs, dans la composante humaine des différents secteurs de cette société-là, dans la composante, je dirais aussi, d'hommes d'affaires qui veulent un environnement de travail qui soit qui permettent de créer des richesses dans tous nos pays et de distribuer ces richesses à bon escient comme fruit du travail collectif. Comment Boualem, on a bien vu que la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à un système de rente dans tous nos pays, hein, c'est à un système qui permette une reformulation politique à travers les demandes de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la Tunisie qui a vécu un processus, l'Algérie qui vit un processus, mais qui vit un processus dans beaucoup de difficultés, le Maroc aussi. Est-ce que c'est malgré tout pas une occasion, la Libye, on parle de la Libye, il y a aussi d'autres enjeux dans la région, bien évidemment dans le Sahara, dans la Mauritanie. Est-ce que c'est finalement pas l'occasion d'une grande reformulation, puisque il y a vraiment du mouvement dans nos 5 pays, 6 pays. Il y a du mouvement, ça, en termes de renouvellement des élites, en termes de contestation, de remontée d'un certain nombre de solutions, et bien évidemment d'intervention internationale sur des questions qui sont au cœur de rivalité. Hein, nous rappelons bien le tweet et le deal assez remarquable d'un échange sur la reconnaissance du Sahara occidental, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et de la résolution du conflit palestinien, en tout cas de la souveraineté d'un certain nombre de reconnaissances reconnaissance des relations entre Israël et le Maroc. Est-ce que finalement ces enjeux internes au Maghreb ne sont pas aussi l'otage de volonté internationale à continuer à dicter leur vue sur nos pays et sur l'avenir de nos peuples, malgré certaines réalités qu'a bien citées Sifoued, de rapports internationaux qui considèrent que le Maghreb a tout à gagner, mais peut-être pas tout le monde. Qu'en pensez-vous, Boualem? Oui, donc, ce sera peut-être aussi la conclusion. J'interviens en dernier, donc c'est bien aussi parce que tout ce qui a été dit, c'est vrai que ce soir c'était une discussion plutôt constructive, agréable, parce que c'était pas un débat, parce qu'on est d'accord, et tant mieux, parce que le but c'est pas non plus de s'écharper. Moi, avant de parler, de répondre à ta question, j'avais deux remarques là où nous a tordu un peu la perche, parce que la Tunisie, bien sûr, c'est très essentiel. J'ai toujours dit que la Tunisie, ça peut être la Belgique de pour l'Europe. C'est-à-dire c'est un pays qui est central et qui est dans pas de problème particulier avec le Maroc, pas de problème avec l'Algérie, plutôt un peuple avec sa révolution tunisienne aussi qui a 10 ans, qu'il faut consolider, qui a donné tant d'espoir, même s'il y a beaucoup à faire sur le plan économique, le plan social, mais en tout cas, c'est le pays le plus démocratique de l'autre côté et au-delà. Donc ça, il faut le considérer, etc. Et l'avancée, ce que tu as parlé tout à l'heure, Choufir, sur Faldi, sur le Maghreb, sur le forum maghrébin, etc. Ça s'est transporté à un moment donné en Tunisie. Ces dernières années, c'était pour nous la capitale des luttes du Maghreb. Et nos amis, ils jouaient le jeu. Ils nous ont offert la logistique, les discussions, les réunions. Mais après, ils étaient rattrapés par leurs soucis internes et les problèmes internes. Raouf, il parlait de Marzouki, Choufir, il est au courant, et Fouad. C'est qu'à un moment donné, il a essayé de ressusciter le Maghreb. Il a contacté la société civile. Il devait avoir une réunion à Tabarka, sauf qu'il est le pauvre. Il a été consulté, les deux gouvernements qui l'ont éconduit.
d'une manière lamentable. C'était un projet qui a été écrit, ça a commencé par quelques trucs symboliques, un passeport maghrébin, liberté d'installation, c'était des trucs réels. Sur la OFF, il peut le vérifier. Et nous, on était un peu témoins, quelques-uns d'entre nous. Le vote aux élections municipales. Exactement. Donc, d'ailleurs, il est déjà. Donc, la Tunisie, ça peut être vraiment un peu l'exemple. Donc, il faut consolider, il faut retravailler. La question de Sahara occidentale, bien sûr, ils en ont parlé, mes amis, avant. C'est incontournable. Aujourd'hui, on a une guerre qu'on prend presque à la légère. On a une guerre invisible. Mais il y a une guerre réellement sur le droit international. Il y a un cessez-le-feu qui a été rompu, après une guerre qui a duré quand même, qui a duré 15 ans, qui a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Mais aujourd'hui, officiellement, même si tout, on l'espère, qu'une guerre n'est jamais, et les armes n'ont jamais été la solution, et encore plus dans notre Maghreb. Donc le préalable au départ, c'est l'autodétermination des peuples. C'est un projet, c'est un principe qui est non négociable. Après, on peut discuter des modalités. Il y a plein de zones où des populations ont demandé à s'émanciper, qui l'ont fait plus ou moins avec succès, d'autres l'ont fait. Ça se passe au niveau de Calédonie, ça s'est passé au Timor, ça s'est passé dans d'autres contrées dans le monde, sans effusion de sang. C'est le Timor, il y a eu quand même beaucoup de massacres. Même la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu moins. Et ça, c'est le préalable. Après, les mots. Aujourd'hui, c'est le sarc-bout, indépendance, pas indépendance. En tout cas, ce qui est inacceptable, c'est le statu quo. Et c'est de ne pas accepter que dans un Maghreb, il y a des milliers de personnes qui vivent dans des camps, qui sont des réfugiés reconnus internationalement par la CER. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, on ne peut pas s'en satisfaire du statu quo. Et l'histoire nous rattrape. Comme disait un historien que nos amis connaissent, moi que j'apprécie beaucoup, même si ce n'est pas forcément le progressiste qu'on espère, Daniel Rivet, il parle de frontières plastiques et élastiques. Donc, c'est les indépendances qui ont fait que les frontières, par exemple, du Maroc sont devenues plastiques. Le Maroc, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, le Soudan leur appartient, je ne sais pas quoi. Et c'était la signature quand même de l'indépendance de la Tunisie et le Maroc précipitamment qui ont figé. Ils ont négocié avec un occupé sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Et on a négocié des frontières qui sont devenues plastiques et que, pour des raisons aussi historiques, les frontières intangibles issues de la décolonisation, mais il y avait aussi des promesses morales qui ont été satisfaites de côté de Tunisie. La frontière tuniso-algérienne, elle a été révisée. L'Algérie a retrocédé des territoires, même des champs pétroliers, etc. Mais ça s'est fait dans un climat apaisé, en bonne intelligence, en rappelant les promesses, etc. Pourquoi pas? Il peut se faire, même si c'est la frontière, ça ne veut rien dire. Dans un monde globalisé, les frontières elles doivent être élastiques à l'intérieur. Mais la question de Sahara occidental, il faut qu'on s'en préoccupe. D'ailleurs, dans le forum maghrébin, c'était, il a été créé l'IPSO, que les copains connaissent. Il a intervenu, Tchoufir, même à Lyon, là où je suis, on a fait une conférence qui était historique. D'ailleurs, on a les documents. On a réuni tous les protagonistes qui ont discuté et c'est grâce au forum par exemple que des Sahraouis et des Marocains se sont rencontrés, et pas qu'une fois, pas deux fois, avec aussi l'aide beaucoup de nos amis tunisiens et qui sont venus même au Maroc. On a discuté, on a levé cette malédiction et cette interdiction qui vient d'en haut, qu'on ne peut pas se rencontrer. Des gens, ils ont passé quand même beaucoup d'années de prison parce qu'ils se sont rencontrés, juste ils ont discuté. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est d'une banalité à l'extérieur. C'est une banalité de rencontrer des Sahraouis, des Marocains, etc. Et pour ajouter, bien sûr, l'UMA, l'Union des Maghrebs arabes, tout ça, c'était bien sûr un truc fantôme. Mais on peut dire qu'il y avait une tentative. Moi, je ne crois pas à ces régimes, bien sûr. Mais il y avait une tentative d'avoir un cadre qui avait des propositions de certains qui ont cru. Ce n'est pas mon truc, mais il avait proposé à une monnaie commune. Il y a toujours un local à Alger, je l'ai vu la dernière fois, quand j'étais il y a très longtemps, et ça n'a pas empêché la question de Sahara occidentale à l'époque qu'ils se réunissent. Ça n'a empêché qu'ils élaborent un projet entre eux. Ça n'a pas empêché. La question de Sahara occidentale, ce n'est pas aujourd'hui un frein. Ça peut retarder, parce que chacun la convoque quand il a envie de ne pas avancer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est une question qui a des instances autres. Ça aurait été mieux que ce soit le Maghreb, que ce soit ça. La deuxième économique, mais il y a des gens plus compétents que moi sur l'économie. C'est vrai qu'on fantasme beaucoup aujourd'hui, bien sûr. Le Maghreb, ça pèse rien du tout. Il a rappelé Raouf, le PIB, c'est deux fois
celui de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est une région de France, ce n'est pas la plus riche d'Europe. C'est 2,5 fois le PIB du Maghreb entier. C'est 2,5 fois, un peu plus même que 2,5 fois. C'est-à-dire, c'est des économies, bien sûr, de rente, d'économies de prédateurs. Bien sûr, il y a l'informel, ça donne un indice, ça donne quelque chose. Il y a nos amis tunisiens, quand il y avait la révolution tunisienne, on a quand même les multinationales qui partaient, ben beaucoup, y compris du Maroc, ils ont été pour faire sur une dépouille, quoi. On offrait des opportunités au Maroc pour des usines de jeans, pour des fabrications, parce que les deux économies, elles n'étaient pas complémentaires, elles étaient par moments concurrentielles. Ils le sont encore. Ou on crée une concurrence superficielle. On a une usine à Tanger de Renault, il vaut ce que ça vaut, c'est pas un truc comme ça. Bah, en Algérie, parce que on crée une usine qui est à perte, parce que le marché n'est pas assez grand pour absorber le peu de production. Là, il faut une grosse production, etc. Donc, sur l'économie, c'est autre chose. Et je finirai par du côté marocain, c'est vrai, il persévère ce régime à vouloir s'allier, mais avec n'importe qui, n'importe comment, mais pas avec les Maghrébins. Il va à la CEDESAO, je ne me prononce pas, il n'a pas de frontière commune. Bien sûr, il a une histoire commune, c'est bien de s'ouvrir sur l'Afrique, mais les grands ensembles ne se font pas comme ça. Il y a plus d'échanges avec l'Algérie actuelle et le Maroc qu'avec tout l'ensemble de la CEDESAO pour le Maroc. Il y a plus de chances, ça pouvait le vérifier. Il a demandé à être avec le Golfe, voilà, c'est pris pour un Émirat. Il a demandé à être avec l'Europe, en 86, on se rappelle, pour rejoindre l'Union européenne. Il demande, je ne sais pas avec qui, mais l'essentiel, il l'oublie toujours. D'ailleurs, je préviens nos amis, mes compatriotes, mes frères, etc., marocains, que le Maghreb, il y a une continuité géographique sans le Maroc. Le Maroc, c'est pas l'Algérie qui est au centre, qui peut être une frontière, un frein, etc. Donc, de la Mauritanie, en passant par le Sahara occidental, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, il y a une frontière commune, il y a une continuité commune. Donc, à vouloir absolument aller voir ailleurs, ne pas voir ce qui est dans les médias, ce qui est à côté, ce qui est historique, ce qui est avec les points communs qui s'étaient rappelés, l'histoire, la géographie, et les religions, parce qu'il n'y a pas qu'une religion, ou les non-religions, tout ça, il est complémentaire, mais on n'a pas envie, il n'y a pas une volonté politique très, 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 très ancrée, parce qu'il y a une volonté juste de survivre les trucs. Et je finis pour les frontières. La suggestion, ça a été pour la frontière, notamment nous, qui sont quand même vers... Vous savez que Melilla, c'est une ville marocaine, Rifaine, qui est occupée d'une manière... Ça dépasse l'entendement depuis trop longtemps. Je veux dire, de l'autre côté, plus des îles, il y a une île, c'est à 300 mètres de Hosima. Donc, il y a l'Espagne qui tout ça. Et bien, Melilla, les gens de Nador et la province de Nador, ben, eux, ils ont, et malgré on le revendique, mais ils ont le droit à une espèce de ils ont exonéré de visa, ils peuvent aller. Ben, du côté de la frontière maroco-algérienne, et je suis conscient quand même que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'ouvrir, mais au moins on peut militer pour qu'il y ait des espèces de corridors pour les familles au moins. Ce qu'il a rappelé tout à l'heure, Tchoufir, c'est inacceptable aujourd'hui. C'est pour des morts qui sont connus, pour des couples, etc. Il y a des enterrements en contrebande presque. Ça se fait le soir, ça se fait parce que rien ne peut empêcher que ce soit une frontière hermétique. Les gens, ils passent. Parce que l'appel de la famille, l'appel du sang, l'appel du voisinage, ben, il peut être quand même demandé que ce statut soit quand même éclairci. Paix froide, ça a été rappelé tout à l'heure, guerre froide, mais qu'il n'y ait pas une frontière complètement hermétique, sauf pour le sol, sauf pour ceux qui ont des trucs comme ça. Ça peut être demandé que au moins les frontaliers, parce que c'est eux qui souffrent le plus, c'est eux qui sont très avancés sur les questions du Maghreb, sur les questions des échanges, ne serait-ce que pour des raisons familiales, économiques, etc. Je rappelle vraiment pour finir, dans les années 80, moi j'étais à Oujda, la frontière elle était ouverte, c'était un peu difficile. Ben, c'était nos amis tunisiens qui faisaient le commerce entre Oujda et l'Algérie. Ceux qui se souviennent, ils nous amenaient ils amenaient aussi leurs produits, de la confiture, je me rappelle, des produits manufacturés agroalimentaires, mais ils amenaient des affaires d'Oujda pour l'Algérie. Il revient à tel point que j'avais des amis tunisiens qui à la fin, ont fini par faire juste l'échange entre l'Algérie, l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est des relations très anciennes, très, 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 voilà.
Merci, merci, merci beaucoup, Boalem. Je pense qu'aujourd'hui, bon, c'était très ambitieux d'aborder un sujet aussi dense en 2 heures. Hein. Voilà. Je pense qu'on a abordé des questions politiques, notamment juridiques, politiques. On a parlé des frontières, c'est une question politique, mais aussi c'est une question, comme on a bien échangé, c'est aussi des questions économiques, psychologiques, et puis de vision. Et puis de vision, de perspective, pour essayer de construire justement une vision commune, un destin commun, et sur des éléments, je dirais, d'intérêt commun. Et on a essayé d'aborder quelques pistes aujourd'hui, notamment sur des sujets économiques. Alors pour conclure, je pense que voilà, après 2 heures et quelques, il est temps il est 10 heures et plus. Si vous avez un mot de conclusion par rapport à ces questions-là, et puis nous allons continuer hein, ces débats-là. Un petit mot de conclusion. Oui, merci beaucoup. Deux points. Le premier, c'est de garder la foi et de garder l'optimisme. Je pense que les principaux obstacles au Maghreb sont l'autoritarisme et la corruption de nos régimes et d'une grande partie de nos élites, mais que ces éléments sont condamnés à disparaître parce que soit on les dépasse de manière significative, soit on implose, et je ne pense pas que nos peuples permettent l'implosion de nos pays, de nos populations et de notre région. Et le second élément, c'est que garder la foi et travailler à l'avenir, ce n'est pas seulement le grand dessein, ce sont toutes les actions concrètes qu'on peut mener. Et les actions, à mon avis, c'est la conférence que tu inities, l'échange que tu organises entre pleinement dans cette perspective. Je pense qu'il ne faut ménager aucun effort pour créer les lieux de rencontre, les lieux d'échange, les lieux de débat, les lieux de construction commune, les lieux de lutte commune, dans l'économie, dans le social, dans le politique, dans le local, dans l'international, dans l'autochtone et avec les autres, dans les pays et dans les diasporas. Partout, nous avons, à mon avis, une responsabilité d'initier, de catalyser, d'encourager, d'accélérer, de dynamiser ces pratiques collectives, communes, de construction. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle. Très heureux d'avoir été des vôtres, très heureux d'avoir retrouvé mes vieux copains que j'aime énormément et les nouveaux que j'apprécie beaucoup. Et à très vite, j'espère. Merci beaucoup, Fouad. À très vite. Si, Taoufir, alors voilà, après 2 heures, je pense qu'on peut se tutoyer maintenant, tout le monde. Donc, un mot de la fin. Je veux souligner que nous vivons, on est le 16 février. Vous m'entendez? Oui. On est le 16 février, donc il se passe un grand jour aujourd'hui en Algérie, puisque le Hirak Akhrata a montré une très très grande vivacité avec une dynamique du peuple algérien qui est encore là, qui en réclame de manière très pacifique le changement politique et le changement de paradigme politique et autres dans notre pays. Donc, nous, dans les diasporas, pour soutenir ce Hirak, on a essayé d'ouvrir des perspectives sur le Maghreb, puisque le Hirak, le mouvement des Algériens, comme pendant la Révolution, est un mouvement, comme le mouvement des Marocains, des Tunisiens, des Libyens, est un mouvement collectif pour un avenir collectif. Taoufir, voilà, comment tu vois, un petit mot de conclusion, peut-être, sur les perspectives? Ah, le micro, ouais. Pardon, tout fait. Voilà, c'est bon. Oui, on t'entend bien.
Je voudrais vous faire part deux choses. Une observation récente et formuler un souhait. Le premier, je vois qu'il va y avoir diverses réunions du Forum social maghrébin. Je vois une participation très intéressante algérienne. On est resté, il faut dire les choses comme elles sont, il faudrait le dire à notre ami Raouf, l'informer de ça. Ces 15 dernières années, il faut dire les choses comme elles sont, le mouvement associatif algérien a participé, mais c'était, je le dis brutalement, plus des pièces rapportées dans les rencontres Forum social maghrébin. Avec une, ça c'est dû certainement à, moi ma conviction c'est à l'essor du Hirak, et il ne faut pas oublier aussi, je le dis à nos amis marocains, que parmi les éléments actifs aussi du Hirak, nombre d'entre eux, du moins dans certains responsables hein, viennent de nos rencontres du Forum social maghrébin, comme quoi il y a un lien dialectique entre les deux. Voilà pour l'observation, mais ça c'est très très important. L'Algérie est de retour dans la construction maghrébine, dans la réflexion maghrébine. Deuxième chose, un espoir. Enfin, on pourra tenir un forum social maghrébin en Algérie sans avoir sur le dos la répression, l'interdiction, comme on l'a eu ces dernières années. Voilà. C'est pour quand il va falloir se battre. Pour ça, il y a un nombre d'amis qui sont convaincus. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème aussi de disponibilité. La plupart d'entre eux étaient impliqués totalement dans les rassemblements, dans les débats à l'heure actuelle. Il fallait un peu de l'immigration leur soumettre cette proposition. Elle est en gestation. Il n'y a pas d'annonce, hein, je vous le dis, hein, c'est un espoir que je formule, hein, soyons. Mais vraiment, personnellement, c'est mon vœu, ça serait vraiment formidable qu'ils se tiennent en Algérie, ouvertement, clairement, sans répression, sans rien, et qu'on puisse accueillir nos frères tunisiens et marocains qui viennent du Sahara, et qui viennent de Mauritanie et de Libye, et bien sûr. Voilà. Merci Taufik pour cet espoir. C'est vrai qu'il y a eu des dates, des conférences, des séminaires en Tunisie, au Maroc et en Algérie, c'est plus compliqué. Et j'espère que nous allons réussir à mettre du mouvement dans ces inerties-là. Voilà, exactement, grâce au Hirak. Alors, Boualem, je pense qu'il va nous rejoindre. Peut-être à la hausse, de la fin. Oui, je suis là. Vas-y. Raouf, un mot de la fin, peut-être le micro. Ouais. Très heureux d'avoir participé à cet échange, Malcolm. J'espère que ce n'est pas le dernier. C'est par ces petites victoires qu'on réussira, Inch'Allah, à construire un Maghreb des peuples, hein, pour revenir à l'expression mobilisée par Aït Ahmed. Donc, moi, mon souhait le plus cher, c'est que ce Maghreb-là se construise. Hein. J'essaye de le vivre, au moins, en tout cas, sur le plan, et de l'incarner en étant en Tunisie, en étant algérien. Et j'espère qu'on réussira à avoir des forums maghrébins dans les 5 pays. C'est un souhait, espérant aussi que la situation en Libye avance dans le bon sens aussi, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Libye aujourd'hui, mais c'est un pays qui est empêtré dans une espèce de guerre totale, de guerre mondiale, une guerre par procuration, que des puissances extra-régionales se permettent de conduire, parce que, encore une fois, il n'y a pas un Maghreb qui aurait permis de mieux protéger la Libye de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Voilà, chokran.
Absolument, Raouf, c'est très très juste de le préciser et d'où l'importance des questions un peu géopolitiques qu'on a essayé d'aborder aujourd'hui, même si voilà, en 2 heures c'était bien ambitieux. Avec plaisir, hein, il y en aura d'autres, Inch'Allah. Sur différents sujets, on va essayer peut-être d'être moins ambitieux et de spécialiser nos débats sur des sujets un peu plus limités, pointus, pour pouvoir apporter une vraie, un échange qui voilà, soit porteur de nouvelles idées et de convergence entre nos points de vue sur différentes questions d'avenir commun qui nous concernent. Un mot de la fin, Boualem ? Oui, un petit mot. En tout cas, encore, bien sûr, merci pour ce que tu fais, Othman, et l'initiative. C'était aussi agréable de discuter avec des vieux amis et d'en avoir un nouveau qu'on a quand même en commun. Moi, je suis très, très, très attaché à ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Tunisie, bien sûr, dans le Maghreb. C'est un pays quand même à aider, etc. J'avais un petit regret, mais je sais que tu as tout fait, tous les efforts pour qu'on essaie quand même de faire encore plus d'efforts pour qu'il y ait plus de femmes qui viennent discuter avec nous, qu'on ait ce réflexe quand même, parce qu'il y a beaucoup de... Ils étaient beaucoup dans les premières lignes et ils ont beaucoup de choses à se dire, mais qu'on fait un peu plus d'efforts, et je sais que tu en as fait, Othman. Et après, c'est une conclusion quand même un peu... le 20 février au Maroc, c'est les 10 ans. On en a encore un prisonnier là-bas qui est toujours en prison, qui a pris 12 ans de prison. On en a passé 8, qui n'a pas été libéré. Son seul tort, c'est d'avoir manifesté le 20 février 2011. Et on a 5 qui sont morts dans le Rif, dans une agence bancaire. Il n'y a jamais eu ni procès, ni responsable, ni quoi que ce soit. Donc, on ne sait rien ce qui passe chez eux. Il y a beaucoup de prisonniers, dont certains qui sont dans le 13e jour de grève de la faim, des prisonniers rifains, dont beaucoup qui ont pris 20 ans de prison, 15 ans, 10 ans. Le dernier qui est vraiment en danger aujourd'hui, c'est Bouhannouch, dans la prison de Silouane. C'était le plus jeune prisonnier de Harak Dirif. Donc, lui, il est en grève de la faim, le 14e jour, ou le 14e, je crois. En tout cas, il est vers ces zones-là. Et on a beaucoup qui sont en train de passer dans les tribunaux, et notamment une répression féroce au Maroc, avec des méthodes d'un autre âge, avec des méthodes douteuses, notamment en vrac, donc il y a Maté Mongib, Omar Radi, et j'espère ne pas oublier d'autres. Et ces personnes-là, bien sûr, on demande toute leur libération. Des côtés algériens, c'est la même méthode. Ils ont avancé, eux, sur leurs relations sécuritaires. Ils ont bien avancé parce qu'ils ont hérité des méthodes du Marzen. Il ne se passe pas un jour en Algérie comme au Maroc, c'est qu'il y a un procès. On a des tribunaux qui travaillent en permanence. On a des grévistes de la faim en permanence. Les tribunaux, ils siègent. Des procès pipés, des procès d'outrage, etc., etc. Donc, nous, on soutient le Harak d'Algérie, on soutient tous les Harak. On soutient les mobilisations Al-Fnedak, d'ailleurs, c'est le dernier, donc c'est une ville... dans le sud, dans le nord du Maroc, il y a aussi des prisonniers de ce côté-là. Donc, on serait bien passé, mais très content quand même que les mobilisations reprennent, notamment l'immense mobilisation Kharrata. Donc, il a souligné pour les 2 ans du Harak d'Algérie, qui ne lâche pas, pacifique, constructif, tout ce qu'on a. Et un petit mot particulier, parce que je l'ai devant moi, donc c'est mon ami Fouad Abdelmoumni, qui aussi, pour ses positions, pour son militantisme, pour sa disponibilité pour un monde meilleur marocain, maghrébin, ailleurs, ben il fait aussi l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques, beaucoup de calomnies, et on a besoin de le soutenir, et je l'espère, bien sûr, il se battra aussi de lui-même, parce que c'est un grand battant. Donc soutien à notre ami Fouad Abdelmoumni dans l'épreuve qu'il traverse, mais il a répondu bien sûr courageusement, dignement, comme il sait le faire, et il ne se laissera pas faire, on sera aussi avec lui. Et voilà, donc, merci pour ce débat. Merci Boualem, et nous confirmons, enfin voilà, nous manifestons notre solidarité, notre soutien à notre ami Fouad, voilà, nous vivons tous des régimes autoritaires qui utilisent des méthodes abjectes, et ce qui est remarquable, et c'est pour ça que cette émission peut paraître intéressante pour certains, c'est que on voit bien que nos pays trouve de la légitimité politique dans la confrontation des uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que le régime marocain, dans son discours politique, justifie son existence vis-à-vis de l'hostilité algérienne et vice-versa.
les Algériens justifient leur existence et leur militarisation à travers le conflit et la main d'Israël dans la région, etc. Donc je pense qu'il est très important que nous multiplions ces rendez-vous-là pour démontrer que l'avenir ne peut être que commun. Inch'Allah, nbnew had l'mustaqbel biyedina ou had l'mustaqbel lazem ykoun masir ta' choub ta' koul had l'mantika ou inch'Allah nbdew bi kir. Othman, juste un dernier mot, une précision, oui. S'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Oui. Une précision, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des grévistes de la faim, et je les connais, j'en connais beaucoup personnellement, j'en connais beaucoup parce qu'on a milité ensemble. Et on ne sait même pas leurs chiffres au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a un qui a commencé, d'autres par solidarité. Parce que c'est des prisonniers qu'on a dispatchés loin de leur famille. Leurs mamans, beaucoup d'entre elles sont âgées, malades. Donc on les trimballe de prison en prison. Donc ils ont demandé, dans un premier temps bien sûr, le but ce n'est pas de rester en prison, au moins qu'ils soient rassemblés. Qu'il y ait, des conditions dignes d'un prisonnier politique, prisonnier d'opinion. Ben non. Merci, le gouvernement marocain. Et la deuxième que je voulais dire, c'est que, bien sûr, ce n'est pas pour donner de l'importance, ça ne mérite même pas de débat. On a des polémiques fabriquées, des polémiques pour semer la zizanie, comme aujourd'hui, ce qui se passe, et j'alerte mes frères et sœurs marocains algériens de ne pas rentrer dans ce jeu, ne pas rentrer dans le jeu des pouvoirs d'un côté ou de l'autre, ne pas rentrer dans des slogans creux, dans des insultes, dans l'exacerbation de divergences et de conflits ou de querelles qui n'ont pas lieu d'être. C'est que pour cacher ce qui se passe réellement. On confirme, Boalem, je confirme, voilà. Puisque la télévision en question est spécialiste des coups de téléphone et le régime, dans cette période de faiblesse, a besoin de mobiliser les Algériens sur des mythes et donc a besoin d'exacerber ces tensions-là pour passer encore des caps politiques, pour gagner du temps, parce que le régime est fini. Et donc, nos frères marocains n'ont pas à tomber dans les pièges du régime algérien. Frères et sœurs. Et puis, bien évidemment, quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur des questions de fond ou des questions de forme, je pense que, comme disait Fouad, il ne faut pas perdre la raison et de garder le cap, garder la perspective et prendre de la hauteur sur les sujets pour pouvoir réfléchir à ce qui permet un intérêt commun et un avenir commun. Merci beaucoup. Encore une fois, on a fait bonsoir. Une belle émission. Bonsoir et à très bientôt pour un autre épisode, Inch'Allah, sur une question maghrébine dans un mois, Inch'Allah, et avec peut-être plus de femmes, Inch'Allah, et probablement d'autres pays du Maghreb. Voilà. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Au plaisir. À la fin. اختطاف الناس اختطاف واستعمال العنف فلا خلافة يا نقص الإيمان نضافة صبرنا عليكم قلتوا خوافة وخيمتوا على ظهورنا معلافة خيمتوا صايا خلاص الحكاية وسكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب نفيد عليكم الحملة الله ما نزيد
نزيد معاكم دقيقة 62 حنا بشقيقة عرفنا ساسكم تيبا وسريقة وعلوبو ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خليكم تروحوا روحوا 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 ما لبيكم تروحوا We are gonna make it.